Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bonjour. You don't have to share, but it'd be a lot cooler if you did. The new Zaxx Back for Two, with 8 chicken fingers, double the fries, 2 drinks, and that world famous Zaxx sauce. Bonjour, bonjour, bonjour. Polycap Christo, Moreno, bonjour, comment nous y est, bonjour, BBJ 109. Salut toutes amies. Tout camarade BBJ 109, yo, Eugénie Pierre, MPR, Sandro, bonjour tout le monde, Batalien, salut nous toutes, et super branché. Comment nous y est, comment nous y est, comment nous y est? Casal! Frère, pas mes amis, pas mes amis, ça crée BBJ 109, on va regarder si vous yo. Comment nous y est? L'obéi va loin ce matin, oui là. Comment nous y nous là, nous là, nous là, nous là, nous là. Salutations à vous tous. Dès que tu as fait, tu parles. Jonathan du village, comment y est? Oui, 109 lieux. Mes amis, à ce moment-là, un bel débat, pas oublier, non? Un bel débat, bel échange. Que BBJ 109 a organisé. A organisé. Et puis. Jackie, c'est qu'a fait. Salutations à vous tous. Madame Meuse. Michel Meuse, salutations à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Et vivre non pays. Côté la science a développé, oui. Tandis qu'éducation la cage nous. Toujours prête en question de moi. Bonjour, bonjour. Matin l'obéi. Ouais, ouais. Oui, rebelle. Nous faisons tout, nous prêts, nous faisons tout prêt. Bon bagay. Bon bagay, bon bagay. Yes. Si ne pas mettre la situation nous. Il faut nos jeunes nous. C'est une seule idée qui est dans la tête. C'est pour voyager à l'étranger pour aller chercher la vie meilleure. Alors c'est pas faute yo. C'est à faire mon sécurité. Fait ou pas quoi dans l'avenir pays. Il est obligé de compter sur l'étranger. Il semble pita papitris. En génération cap gâché. Bonjour, 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 bonjour à vous tous. Je veux ce matin, une fois de plus, réitérer mes propos de salutation à vous tous, membres de BBJ 109, et à toutes amies qui viennent brancher matin, hein, qui ne sont pas encore adhérées à cette mouvance de libération et de décolonisation mentale. Nous à profiter de l'occasion, de l'opportunité pour nous capables aussi de saluer quelques membres dedans BBJ 109 qui, d'une certaine manière, manifestent une volonté pour être capables, bien sûr, et apporter idéaux pour accoucher nouvelle génération, nouvelle idéologie, ça, nouvelle vision, ça, que nous, dans BBJ 109, nous nourrit. Et nous commençons bien sûr avec la première étape là, qui consiste bien sûr à décoloniser et déconstruire, démystifier les esprits
Et bon raison qui justifiait ce choix. C'est un choix stratégique. Parce que nous pensions que le vrai problème pays d'Haïti, en réalité, n'est pas résumé à une question d'élection, n'est pas résumé avec une question de un candidat. Nous avons connu, au cours de l'histoire de notre pays, tout genre de bagages ont été faits. Maintenant, nous pas là pour nous faire une analyse en surface, ni un diagnostic en surface, mais nous voulons, bien sûr, pénétrer en profondeur dans l'abîme même pour cerner le problème haïtien. Le problème haïtien. Et m'essayer d'aborder une série de thématiques pour éviter à ce que les membres du BBJ 109 pour yon pas une conception ni une vision restreinte de la réalité haïtienne. Et c'est une raison qui fait que nous t'es, d'une certaine manière, adopté ce qu'on appelle une forme d'analyse systémique. Analyse systémique, non seulement à la fois interne, on considère Haïti comme étant un système où il y a une interrelation et interconnexion entre les différents éléments qui composent ce système, bien entendu, et ces structures, ces liens qui existent entre les éléments ne sont pas neutres dans la mesure où les mécanismes qui permettent aux éléments d'interagir, comprendre, pour être capables entre eux de dégager une synergie, d'y aller dans le sens, bien entendu, d'un intérêt tout à fait particulier qui consiste à protéger une catégorie sociale tout à fait spécifique. Maintenant, il est clair que pour certains sceptiques, quelques petits esprits qui n'ont pas, bien sûr, l'habitude de nager dans des océans énormes, ils sont obligés d'adopter un comportement de mesquin. Comprendre? Côté que ils ont entré dans une dynamique pour comprendre, pour être capable de boycotter ce travail aussi noble que nous baillons tête. Mais nous sommes sûrs et certains et nous sommes encore plus convaincus qu'au niveau de BBJ 109, nous n'allons pas soumettre nos esprits à ces détracteurs, comprendre, ces mineurs, comprendre, pour nous faire comprendre que nous autres, nous voler et nager au-dessus de la mêlée. Nous voulons faire la différence, et c'est dans cette perspective que nous mettons tête nous, et pas rien qu'à carité, non. Parce que nous avons choisi la meilleure part, nous choisissons ça qui est bon. Maintenant, il faut comprendre que au cours de hier à aujourd'hui, là, nous avons un doute par rapport avec mes obligations familiales pour me dire, bon, est-ce que nous sommes capables de faire l'avla aujourd'hui? Mais nous avons insisté sur le fait que les mapgades ont une vidéo qui a véhiculé sur les réseaux sociaux. Moi, dit, écoutez, il faut absolument que je fasse live ça matin. Parce que nous devons constater, bien entendu, que mettez une vidéo sur page Facebook. Une vidéo, côté que une question de kawash qu'a fait. Une jeune fille, bien entendu, qui mettez un maillot sous les cap danser, et puis toute nudité, toute vagenie exposée, et puis un jeune homme qui gomba galadan, n'amène à couler de l'eau là-dedans. Écoutez bien, mes chers amis. Pour certains, image sa vidéo, ça, li choquant. Li choquant dans la mesure parce que, gagne une certaine dérive, jeunesse là exposée à elle. Maintenant, il faut comprendre que, moi-même, m'a regardé vidéo et puis me dit et puis m'a posé cette question, m'a dit est-ce que m'ta supposé cher vidéo parce que m'ai un petit genre quelque peu mitigé, est-ce que m'de partager vidéo sur page moi ou bien est-ce que m'doué kembe vidéo ou bien badou. M'a dit mais non, écoutez, il y a un gros problème qui posé et c'est une raison bien entendu qui fait que me choisi avec appui de quelques conseils aux amis, ben me choisi et musique ça ferait par un pour thème pour émission non pour classe là. Et gen yon environnement que yo créé pour jeunesse haïtienne. Et environnement ça, c'est un environnement extrêmement toxique. Et m'a dit nous ça sincèrement. En plein monde pas qu'à comprendre jounen jodi an sa BBJ 109 yé et raison d'existence nous.
Et m'a garanti nous ça gagne monde qui en dedans bébé J109 qui pas même comprendre pour qui raison d'être nous. Et l'aime parler de raison d'être nous, nous soulevons un problème à la fois philosophique, c'est-à-dire un problème métaphysique. C'est-à-dire notre raison d'être à l'intérieur dans groupe ça. Parce que c'est un problème existentiel moi pose. Faut comprendre bien et c'est ça qu'on expliquer difficulté en équipe monde pour intégrer en dedans mouvement ça. On est dans le groupe sortant de les BBJ 109 là. Et il n'est pas vraiment du tout donné à tout le monde cette lucidité, cette clarté, cette clairvoyance d'esprit pour comprendre la portée historique du travail que nous fait là. Parce que vous me dites bien, mes chers amis, les amis frères qui sont dans le BBJ 109, sous tes gains, un petit doute de tête ou. Vin là à travers BBJ 109 pour me dire un bagaille. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça dit qui intéresse. C'est sa pensée ou l'esprit ou formaté qui intéresse. Et m'a dit ou bien ça m'a dit là. Vous avez un bien précieux et il faut le préserver à tout prix. C'est votre esprit, mon ami. Et en pile nous-mêmes pas comprendre peut-être cette dynamique que entre tête moi là-dedans avec la nécessité historique pour nous préserver l'esprit nous parce que il y a une guerre spirituelle, une guerre, un conflit cosmique côté que ta guerre principale là c'est pas corps, c'est pas l'élément physique, c'est pas la matière, mais c'est votre esprit qui est le principal target, le principal cible de l'ennemi. Et c'est une raison que, mes chers amis, certains sceptiques n'ont pas pu cerner les raisons pour lesquelles que je choisis cette thématique du grand conflit cosmique à l'intérieur de laquelle nous gagnons sa relais géopolitique d'Haïti. Écoutez bien. Fonctionner, m'a suivre au cheminement de façon labyrinthe. M'a suivre au cheminement de façon linéaire. Pour certains sceptiques qui ne comprennent, démarche-moi. Parce que démarche-moi, n'est pas aussi orthodoxe. Méthodologie n'est pas orthodoxe. Parce que non seulement m'a initié nous à la questionnement, au questionnement de la question, mais m'a initié nous tout avec la nécessité pour nous préserver notre esprit. La pureté de notre esprit. Maintenant, il y a des gens qui ne comprennent pas samedi. Et me pardonnez-vous pour ça. Parce que ce sont des individus qui ont vaqué à leurs activités quotidiennes. Ce sont des gens que l'esprit est déjà prisonnier du système mondial. Ce sont des gens que l'esprit est déjà enclavé. Nous avons logique que le système mondial là est en train de faire. Et moi, je dis nous petit bagaille, mes chers amis, ce travail de décolonisation mentale, dans sa dimension spirituelle et métaphysique, n'est pas aussi évident pour le monde comprendre ça, m'a dit là. Parce que l'immense effort permanent sur vous-même pour faire une auto-évaluation de vous-même et puis pour inscrire tout non-champ. Épistémologique de façon à ce que ou réévaluer connaissance ou te gagne ou réexaminer connaissance que ou te acquérir au cours de votre parcours académique au point que ou poser cette question: est-ce que ces connaissances aujourd'hui yo utile avec moi-même en tant qu'être humain? Ou poser cette question: l'importance et l'utilité existentielle de ces connaissances. Gien pile monde le plus souvent, ces jeunes haïtiens qui n'ont pas, y a pas qu'à arriver cerner la dimension à laquelle une tenue mettait tête moi. Mais cependant, nous trouvons une situation extrêmement difficile. Et c'est la raison pour laquelle qu'au niveau de BBJ 109, vous aurez à appréhender les choses, les phénomènes, les faits, non pas dans leur élément superficiel, mais plutôt dans une dimension obscure. C'est-à-dire dans la dimension métaphysique et phénoménale.
pour arriver à cerner essence, substance et problème. Non. Et c'est une problématique que, bien entendu, que Kant, le Kant m'a posé, l'alité dit comme ça que l'impossible à nous-mêmes, à la raison, pour connaître, pour cerner le nous-mêmes, c'est-à-dire la substance, c'est-à-dire limiter la raison, au point que monsieur fait comprendre que seul ça qui intéresse nous, ce sont les phénomènes, mais le nous-mêmes, c'est-à-dire l'essence même des phénomènes, c'est-à-dire les raisons d'être des phénomènes, la dimension métaphysique des phénomènes, n'est pas qu'à intéresser nous. Et je viens commencer à comprendre, jour et jour, il y a un pile dérive qu'a fait dans la société haïtienne. C'est pas, et pas parce que dérive t'a fait, mais c'est parce que les avant-gardistes intellectuels qui se disent intellectuels, hein, qui se réclament d'un intellectualisme aiguisé, n'ont pas pu être à la hauteur de cette tâche noble qui leur a été confiée. Et c'est une raison que je ne veux pas, m'pas entrer dans une dynamique de, pour me distancier de ces individus, comme moi j'ai écrit hier, pour m'éviter qu'il y ait confusion dans l'esprit de certains sceptiques, de certains mécréants. Mais je voulais toutefois souligner la nécessité pour moi d'adopter une méthodologie. Une méthodologie non orthodoxe. Non orthodoxe, de façon à ce que, avec toute difficulté que méthodologie ça a impliqué, pour m'entrer l'esprit, pour me prendre l'esprit, pour m'entrer, pour naviguer dans les profondeurs même de l'abîme, à la recherche de cette quête ultime de l'essence même des choses, pour pénétrer l'essence même des choses. Et c'est cette quête, bien entendu, qui m'était journée aujourd'hui, hein, côté Mia. Maintenant, il faut comprendre que je n'ai pas qu'à parler de paradis et je ne saurais proposer une alternative à la société haïtienne si je ne peux pas entrer en dedans l'enfer haïtien. Pour m'entrer dans l'enfer haïtien, le vécu haïtien, pour m'entrer là-dedans, pour montrer noir sur blanc, vrai problème typique haïtien. Maintenant, on connaît même d'avoir commencé à faire géopolitique d'Haïti avec nous. J'orientais mon esprit, l'orientation de mon esprit était plutôt aller dans le sens de cette élite sociale. Et en majorité, bien entendu, mulâtre, c'est-à-dire la mulâtrie d'Haïti, et vint combiner autour des années du 20e siècle, avec l'arrivée, cette vague immigration, bien entendu, des Syro-Libanais. Maintenant, cette combinaison mulâtro-Syro-Libanais vint orienter l'esprit, nous, dans le sens pour nous capables de comprendre cette élite bourgeoise et leur responsabilité historique dans ce qui arrivait au pays d'Haïti, je voulais vous dire. Maintenant, il faut comprendre que ils ne sont pas les seuls. L'élite, ça, c'est pas l'élite seulement le responsable. Parce que si nous t'as pointé du doigt seulement cette élite, nous t'as entraînons ce qu'on appelle une analyse en surface. Et c'est ça que tu me dis, l'élite a fait analyser. L'élite bourgeoise, là, de sa composition, à la fois syro-libanais et mulâtre, il n'y a pas vrai. C'est un élément du système. C'est un élément du système. Maintenant, il faut aussi cerner et comprendre les autres éléments du système dans leur action. Comprendre? Et non seulement ça, tout, il faut essayer de comprendre leur interaction au service de l'esprit du système. Et il y a un pile de monde qui ne peut pas comprendre, l'aime parler de l'esprit du système. Dans le sens où, bien entendu, ils ont compris, ils ont une approche trop physicaliste, ils ont une approche trop matérialiste. C'est-à-dire qu'ils s'appuient, bien entendu, sur la corporalité pour cerner les phénomènes sociaux, politiques et économiques. Mais ils n'ont pas cette capacité à pouvoir transcender l'aspect physique des choses pour cerner la dimension spirituelle. C'est-à-dire le système en tant que tel n'est pas tombé du ciel. C'est-à-dire le système, c'est quelque chose qui est conçu. C'est quelque chose qui est construit. Il y a un concepteur. Il y a quelqu'un qui a un designer. Il y a quelqu'un qui a pensé ce système de façon à maintenir la société haïtienne, surtout le peuple haïtien et la jeunesse, dans un état d'aliénation sociale, culturelle, morale, de façon à ce que l'incapacité pour cette jeunesse haïtienne et l'haïtien en général à pouvoir sortir de ce prisme. Vous comprenez? De ce prisme, il est difficile pour lui pour sortir de prisme parce que le
l'esprit du système, à travers ce système, à travers les appareils idéologiques, à travers les outils qu'ils ont à leur disposition, ils ont utilisé de façon à maintenir l'esprit du peuple haïtien, de la jeunesse haïtienne en particulier, dans un état d'aliénation, dans un état mortifiant, de façon à ce que l'impossible pour y arriver, sortir de ce carcan idéologique, pour être capable de percer le mystère de leur existence en tant que peuple. Et c'est ce problème majeur qui posait. Et les malais avec nous, m'vine dit nous, il faut faire attention mes chers amis. Je voulais insister sur la nécessité d'appréhender, c'est-à-dire nous allons non seulement essayer de faire une analyse à la fois systémique, structurelle d'Haïti, mais aussi nous avons pu, dans une certaine mesure, appréhender la dimension sous-systémique d'Haïti par rapport au système mondial. Et c'est là l'enjeu principal. L'enjeu principal, c'est que Haïti n'est pas un élément isolé, mais Haïti fait partie d'un système global. Et dans ce système global, du point de vue de la géopolitique et stratégique mondiale, il faut comprendre qu'il y a des structures internationales, il y a des organisations internationales qui constituent bien entendu de véritables outils entre les mains des forces occidentales pour pouvoir maintenir des pays tels que Haïti dans une situation de dépendance et d'assistanat. Au point que nous te disons que maintenant, tout le monde en Haïti, bien entendu, qui a parlé de développement économique. Alors, nous disons, faites attention, mes chers amis, la question du développement économique d'un pays, ce n'est pas quelque chose seulement qui se décide à l'intérieur du pays. Il faut prendre en considération les éléments externes, c'est-à-dire les éléments du système mondial, c'est-à-dire les questions des capitaux étrangers à pouvoir venir investir dans ce pays. Et l'orientation, la circulation de ces capitaux financiers, c'est un bagage qui est orienté. C'est quelque chose qui est décidé, non seulement décidé au niveau international dans des pays, mais décidé par rapport, bien entendu, à la portée historique et des valeurs que le pays, en quelque sorte, que n'a besoin, mettez comme vous investir là-dedans, voulez véhiculer dans le monde. Il y a un conflit mondial, mais il y a aussi un conflit cosmique. C'est-à-dire les grands déséquilibres mondiaux, les grands événements, les événements mondiaux actuellement que nous avons assisté sur le plan international, ils ont un impact aussi sur nous autres, en tant que peuple haïtien. Maintenant, il faut comprendre que notre pays n'est pas isolé. Et ça, ceci va expliquer le comportement du régime PHTK. Le comportement du régime de PHTK dans le sens où ils sont obligés, dans une certaine mesure, de faire table rase des revendications du populaire pour pouvoir, bien entendu, chercher la légitimité auprès de la communauté internationale. Est-ce qu'on comprend ? Auprès de la communauté internationale. Et ceci explique, bien entendu, le comportement du corps groupe, le comportement de OEA et le comportement des institutions internationales dans notre politique interne. Comment ils sont devenus des véritables outils décisionnels pour ce qui a trait à l'avenir de notre pays. Maintenant, le problème qui se pose, mes chers amis, et je veux être clair là-dessus, pour certains sceptiques qui n'ont pas encore et qui n'ont pas pu encore cerner cette dimension, comprenez ? Dimension ça. Comme dis-nous bien. La difficile, et m'a pris le temps pour me souligner ça. Toujours dit nous, là nous on a parlé de l'intellectuel, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'adonne à l'activité de la pensée. Maintenant, il est là pour manipuler des concepts, il a été initié à la manipulation des concepts, à l'orientation des concepts, bien sûr, de façon à ce que, pour arriver, pencher son objet,
spécifique. Maintenant, il y a un plus gros problème qui gagne au niveau de nos intellectuels en Haïti. Leurs objets de pensée, objets que vous perdez du temps pour articuler pensée, les résumer avec l'haïtien et Haïti en particulier. Maintenant, bon individu qui se dit, mais m'aime Haïti. Je lui ai dit, mais écoutez, faites attention, mon frère. Faites attention parce que ou font démarche là, ou adoptons démarche là, qui est vraiment dangereuse. Monsieur dit, ça me l'a dit. Il dit, vous aimez Haïti. Monsieur dit, oui, vous aimez Haïti. Il dit, non. Démarche là dangereuse. Mais monsieur, pour qu'on comprenne, ça me dit là. Là, me dit, monsieur, démarche là dangereuse. Monsieur, pour qu'on comprenne, ça me dit là. Il dit, écoutez. Faites très attention à son dia là. Monsieur dit qu'il remet Haïti. Il dit non. Ou pas qu'il remet Haïti, Blode. Parce que Haïti, il y a deux dimensions là-dedans. Il y a la dimension matérielle et il y a la dimension spirituelle. Il dit, si vous ne pouvez pas comprendre ça, ou pas qu'il remet Haïti de sa globalité. Quand monsieur dit, ah, est-ce que vous pouvez élaborer sur ça? Il dit, bon, mon frère, ça parle moi d'un paquet de travail, mais cependant, je vais essayer pour me faire 6 mois pour élaborer. Je me dis, est-ce qu'on remet haïtien? Je me dis, monsieur, est-ce qu'on remet haïtien? Maintenant, je vais espérer pour me comprendre. Est-ce que monsieur va dire qui ça qui est haïtien? Parce qu'il se réclame. Monsieur a réclamé tête de haïtienneté. Maintenant, monsieur dit qu'il remet Haïti. Mais il peut pas dire s'il remet haïtienneté, c'est-à-dire s'il remet tête li. Vous savez, il y a un gros problème qui posé là. Et en pile monde prend problème ça à la légère, mais c'est un problème grave qui posé là. Gros problème à la fois identitaire qui posé. Parce que vous savez, mes chers amis, et c'est un problème de méthode. Et si on regarde, si on fait un constat de tout ça qu'a parlé là, ou après tout nèg qui politicien en Haïti actuellement là, tous les politiciens traditionnel, tous nos hommes d'affaires, tous les hommes en Haïti, tout le monde remet Haïti. Tout le monde aussi remet Haïti, dernier crasse remet Haïti. Il y a qui peut pour yon vie pour Haïti. Maintenant, si vous dites comme ça, aimez-vous l'haïtien, il y a un problème qui pose. Vous voyez, ça veut dire, à ce niveau-là, problème qui pique grave là, c'est un problème identitaire. C'est-à-dire que le principe de base, le principe christique, mis-christique de base, l'hypoco résoudre au niveau de l'haïtien. Et c'est tout l'enjeu principal que ma PC soulevé avec nous, même là où elle me volait dans la dimension cosmique pour me râler dimension mysto-christique là-bas où, pour cerner le problème haïtien. Et m'a dit nous clair ça, m'a dit nous là pour nous comprendre bien, mes chers amis. Ou pas qu'à projeter yon l'amoussou yon élément physique, si l'élément métaphysique l'on beaucoup sénile. Qui ça me veut dire par là? Ou pas qu'à parler de l'Haïti en tant que construction, en tant que volonté, en tant que objet de contemplation et d'admiration, si d'une certaine manière, ou pas qu'à saisir l'essence même qui a accouché Haïti. Maintenant, il faut comprendre que démarche, ça n'est pas aussi évident. N'est pas aussi évident pour tout le monde cerner. Parce que tu me dis nous bien, pour nous comprendre le problème ça. Problème ça, c'est un gros problème. C'est un problème, m'oblige à aller avec doucement pour arriver à comprendre. Et c'est ça qui fait grand pile monde qui pas comprendre comment monsieur fait aller dans la dimension mystique christique là. Parce que moun ne pa ka comprendre le moi lorsque m'entre dans dimension pour me dire le je suis. Le je suis, le grand je suis, c'est une déclaration ontologique. Maintenant, l'ontologie en tant que telle est attribuée à la métaphysique car c'est une pensée de l'être en tant qu'être et non pas de l'être en tant qu'étant, mais de l'être en tant qu'être. C'est-à-dire, c'est une question qui a rapport à la métaphysique. Ça, c'est l'ontologie haïtienne.
Maintenant, il faut comprendre que à ce niveau-là, si nous ne sommes pas en mesure de cerner cette ontologie, de sa dimension métaphysique, puisque l'ontologie, c'est l'être, mais comment puissions-nous, et comment puissions-nous maintenant prolonger notre raisonnement sur la phénoménologie, c'est-à-dire la manifestation, c'est-à-dire sur l'étant, sur l'apparaître, sur ce que nous avons devant nous qui est l'objet de cette essence, qui est de cette ontologie. C'est-à-dire, Negladou, qu'on s'est l'irémé le phénomène, l'irémé Haïti, l'irémé l'objet, l'irémé le côté corporel de sa Haïti, mais la représentation d'Haïti dans sa dimension collective, n'est pas qu'à cerner, n'est pas qu'à comprendre ni. Et c'est cette difficulté inhérente à notre existence qui posait, jour et jour, un vrai problème nous gagner au niveau politique, économique, social, culturel dans le pays d'Haïti. Et si, bien entendu, nous n'avons pas cette capacité à pouvoir résoudre ce problème fondamental, je dois vous rassurer, et d'une certaine manière, si m'adopter une posture doctorale pour me dire, écoutez, si nous ne pas résoudre ce problème majeur, la difficile pour nous, n'a toujours tombé dans un grenage pour nous dire nous remet Haïti. On remet Haïti. Nous prêts pour mourir pour Haïti. Ou à l'étranger, on parle de Haïti. On dit Haïti chéri. Haïti ceci. Haïti cela. Parce que on parle, mon pas j'aime comprendre de ce qu'on parle. Et c'est tout l'enjeu. Parce que si on parle de Haïti, tout le monde remet Haïti. Ou après tout le monde remet Haïti. Ou après Haïti. Ou après tout Haïti. Ou après même président pays en dou, tout le monde qui passe dans le pouvoir d'où il remet Haïti. Ou après, même l'Abdoul remet Haïti. Même si au Liban Abdoul remet Haïti. Même barbecue Abdoul remet Haïti. Même Minisio Abdoul remet Haïti. Même Jovenel Moïse Abdoul remet Haïti. Même nous-mêmes qui parlons d'Abdoul nous remet Haïti. Mais en réalité, comment vous capable de remet Haïti? Si principal là, ou pas remet, qui est l'haïtien. Ça veut dire qu'un problème majeur qui posait. Ou pas qu'à dire mais Haïti. Parce que l'Haïti, c'est l'espace vital pour Haïtien. C'est l'espace vital pour Haïtien. Comment on est capable de dire qu'on remet Haïti pendant ce temps? L'Haïtien, en tant que tel ou pas remet. Non seulement pas remet. Pour qui raison pas remet? C'est parce que vous ne savez même pas ce qu'est l'Haïtien. C'est-à-dire, du moment qu'on le va connaître qui c'est Haïtien, c'est laisse pour l'apprendre, apprécier et remet. Mais puisqu'on pas qu'on est salié, puisqu'on pas qu'on est salié, comment on va faire remen? Puisqu'on pas qu'on est haïtien, comment on va faire remen? Et les mots, je parle de Égrégoire, je parle de Égrégoire, je parle de mystique, je parle de retour. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ce que je dis là. Parce que les gens qui pensent la petite pété ou elle a yo, qui a parlé, chita a parlé de démocratie, chita a parlé de institution, qui chita a parlé de corruption, qui puis a parlé de comment yo elle ça, y a parlé de problèmes superficiels. Et c'est la raison pour laquelle que je m'engage bien entendu dans cet effort là, m'entrer dans la dynamique ça. Pour éviter à ce que tout le monde qui est dans BBJ 109, il est indispensable, voire même nécessaire et même indispensable pour même, pour orienter l'esprit dans la profondeur même de l'abîme, à pouvoir cerner le problème réel du pays. Pour ne pas faire des analyses en surface, tant que quelques individus qui se réclament d'un intellectualisme stérile. Ils se réclament d'un intellectualisme stérile. C'est pauvre. C'est ça que tu vois après tout livre que tu as écrit, tout problème que tu as abordé, toute formulation problématique que tu as soulevé, ce sont des problèmes en surface. Parce que c'est difficile pour pénétrer en profondeur. Parce que c'est un comportement de l'esprit au monde qui paresseux, il y a un risque que l'esprit ne peut pas le prendre. Parce que tu aimes tout bien. Pour aller dive, pour aller immerger l'esprit ou de la profondeur de l'abîme, pour aller chercher à cerner le problème haïtien dans le néant, c'est-à-dire à ceux qui allaient accoucher,
c'est-à-dire dans sa dimension à la fois mystico-christique, pour aller chercher l'esprit haïtien qui a accouché l'haïtienne, l'haïtien, il m'a donné pile courage, il m'a donné pile force. Parce que pour montrer l'esprit dans ça, il y a un risque majeur qui est associé avec elle. Gros risque majeur qui est associé avec elle. Risque qui est associé avec elle, c'est que l'esprit ou qu'a entré dans la labyrinthe, il va pas sortir. Et c'est ce risque que je prends. Et pour arriver à prendre risque ça, connaissant bien entendu et conscient de l'islam en tant que tel, l'imande yon dimension christique la kayou. C'est-à-dire, l'imande yon principe majeur qui pourra guider, qui c'est l'amour de l'autre, l'amour du prochain. C'est cette dimension christique qui vous permet de rentrer l'esprit ou dans la profondeur de l'abîme pour elle saisir la portée à la fois mystique, métaphysique d'Haïti. C'est ça que vous apprenez, jour et jour, dit à nos intellectuels, il y a pas les deux, y a c'est son nègre pour ça, l'État qui est responsable. Et puis toute thèse développée, l'y développée autour de ce concept central qui est l'État. C'est-à-dire, l'État est le seul responsable. C'est-à-dire, lui spécialise lui dans l'État comme problème. Et puis, on l'a dit non, c'est pas l'État, c'est la bourgeoisie. Et puis, il spécialise penser autour de la bourgeoisie. Et puis, la fait, ça y aurait les cartographies, la fait, ethnographie de cette catégorie sociale. Pendant ce temps, lui, pourquoi j'aime un vrai problème? Il y a l'autre qui appelle du ça, non, c'est l'économie. Il y a l'autre qui dit ça, c'est le choix politique. C'est-à-dire que nous trouvons nos situations côté la conception globale et unitaire que nous devrions bien entendu développer et cultiver chez nous pour appréhender le problème haïtien dans sa dimension systémique, nous puissions entrer dans des démarches fragmentaires. C'est-à-dire à chacun petit secteur, ça dit moi-même moi petit l'État pour réfléchir sur lui, l'autre là dit moi-même moi petit économie pour réfléchir sur lui, l'autre là dit moi-même moi petit bourgeoisie pour réfléchir sur lui, l'autre là dit non petit politicien traditionnel pour réfléchir sur lui, l'autre là dit non moi-même tes histoire pays à peu. C'est-à-dire que l'esprit haïtien, c'est-à-dire l'intelligence haïtienne est fragmentée au point que mes chers amis, qui ont nécessité aujourd'hui historique pour prendre toute connaissance ou ces réflexions autour de la problématique d'Haïti pour faire un travail d'unification, de systématisation, de coordination, à pouvoir élaborer une certaine vision et conception d'Haïti. Maintenant, mes chers amis, il y en a qui disent, comme si on est extrêmement critique. Ou bien. Il n'y a pas critique, mais critique. Je ne suis pas un bluffeur. Il y a une grande différence. Ma critique, ce n'est pas dans ce sens-là, une critique. Je ne suis pas un bluffeur. Si on devrait me battre tête pour me bluffer, lorsqu'il s'agit des choses de l'esprit, je ne peux pas bluffer sur les choses de l'esprit. Non. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas permettre tête comme ça. Je me suis interdit de me lancer dans cette aventure. C'est une interdiction formelle que je battre tête. Je ne peux pas aventurer dans la direction ça. Je ne sais pas pour quelle raison, mes chers amis. Voilà nous pour qui raison. Cette fragmentation de l'intelligence haïtienne, que pile moun a parlé comme si yo comprenne de sa dimension et yo prenne intellectuelle, cette fragmentation, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Il fait partie de une méthodologie consciente que l'Occident fouille dans maille. Et ça me dit nous là, faut comprendre bien ça m'a dit là. Elle fait où elle est intellectuelle Haïti a parlé. Un petit temps moi regarder yo mri. Par exemple, met ton petit vidéo de Edze Emile. Après tout en pile monde remet Edze Emile elle a parlé. Comprendre? Met ton petit vidéo côté monsieur a parlé de politique commerciale de l'État. À première vue,
à première vue, soit tant des messieurs, à première vue, ou pensez comme si que monsieur cerne les problèmes pays. À première vue. Ça, c'est pour le monde qui fait analyse formelle. C'est pour le monde qui bon analyse formelle. Ou pensez, li, ou, pour un maillot, l'obtenant de monsieur, on dit que monsieur Gale est vraiment cerne les problèmes pays. Mais, si on réfléchit bien, ou on prolonge le raisonnement, ou après monsieur réduit problème pays à l'État. C'est-à-dire, c'est parce que l'État central, l'État comme nous l'avons aujourd'hui, pas prendre responsabilité et choix économique la fait, n'a pas marché en faveur du pays d'Haïti. Tenez bien, comprenez ça, Abdoulaye là. C'est-à-dire, monsieur, la démarche que l'a adoptée, il y a une démarche purement réductionniste de la réalité aussi complexe d'Haïti. Maintenant, il penche raisonnement sur les politiques commerciales, les choix politiques, les choix économiques, bien entendu, que l'État haïtien a adopté. Mais ce mode de raisonnement, mes chers amis, ce mode de raisonnement n'est pas innocent. Et c'est là que je vais arriver avec vous. C'est ça que me dit, l'on n'a pas parlé, avec l'on lit un livre, première chose pour faire, c'est entrer dans l'esprit nègre. Pas courir, pas perdre du temps dans la parole. Là. Mais utilisez parole là avec livre là comme fenêtre pour entrer dans l'esprit nègre, pour aller sonder l'esprit nègre. Maintenant, à première vue, ou à penser son bagage, c'est rien nègre dit, tendez bien. Mais on prolonge le raisonnement pour eux. Raisonnement, c'est que, qui ça veut faire? Livre veut montrer que le choix économique que l'État haïtien fait, tendez, yo lié avec l'État. En d'autres termes, c'est l'État qui est le seul responsable. Ou en vision réductionniste. Maintenant, si yo monte dans l'État, si nèg yo prend contrôle l'État, gen yon volonté dans l'État pour un bon choix économique, pays a résolu, problème pays a résolu. Est-ce qu'on comprend en jeu? Tenez bien, est-ce qu'on comprend en jeu? Maintenant, si c'est ça ou soulevé, si c'est ça, monsieur, moi je montre nous vrai problème qui gen dans sa monsieur dit. Si c'est ça vraiment problème là. Si c'est ça vraiment le problème, attendez-moi, si c'est ça vraiment le problème. Regardez bien. Pour qui raison d'après nous-mêmes, nous ne pas poser vraie question fondamentale. La question fondamentale. Pour qui raison, nest qui dans l'État, yo, pas choisi, faire un bon choix économique. Attendez, question bien. Nous se soulever le problème, non? Mais problème fondamental li pose ya. Il fait comprendre que situation pays aujourd'hui a li là, économie pays a grave qui fait tout bagage ça ou. C'est parce que les dirigeants au sommet de l'État n'ont pas fait de choix économique responsable qui pour permettre à ce que économie pays a connaît sa relie en croissance et puis pour aller dans sur la voie de développement. Tandis. Maintenant ça c'est ça soulever comme problème. Yon nan bagay mi se pa soulevé, on a nan deuxième niveau réflexion, m'ap descend nan l'abîme nan avèl. Yon nan bagay mi se pa soulevé comme question. Pour qui raison? Qui ça qui fait nèg yo pa fè choix ça? Qui ça qui fait nèg yo au cours des 200 ans d'existence d'Haïti pa jan fè bon choix économique? Voilà la question fondamentale. Est-ce qu'on recommande déplacer problème nan? Monsieur mette problème nan sur choix économique que l'État fait. OK? Qui pas bon. La parler, c'est-à-dire que les projeter, ils font jugement sur choix économique l'État fait. Politique commerciale, politique budgétaire, politique monétaire, politique économique. C'est-à-dire que il fait comprendre que l'État est responsable dans la mesure où l'État n'a pas pu faire les bons choix économiques. Comprenez bien oui le mot clé, les bons choix économiques. C'est-à-dire que du moment qu'on parle de bon choix, de mauvais choix, c'est-à-dire émettre ce qu'on appelle un jugement sur les choix économiques que l'État fait. Et il fait ça à partir de ensemble de connaissances que le gagne dans Mali. C'est-à-dire côté le formé. Maintenant, problème ne s'est pas soulevé. Et là, je avant. Qui ça qui fait n'est pas fait choix? Qui ça qui fait
n'est-ce pas j'en fais bon choix. Ou comment moi-même? Ma prête de nous descendre dans le vrai problème. Le fait que n'est-ce pas fait bon choix économique là. Tandis oui, bon choix économique qui pour servir pays, qui pour utile pays. Bon choix économique là. Ça veut dire tout choix économique pas yo tout pas même. Gen choix qui bon, gen choix qui pas bon. Maintenant pour qui raison au cours de ces 200 ans nous pas jamais fait bon choix économique là. Est-ce que c'est parce que nous pas connaît qui choix qui bon pour pays d'Haïti ou bien est-ce que c'est une mauvaise foi qui fait nous pas choisir faire bon choix? Bon choix. Ou bien est-ce que c'est contrainte nous gagner qui fait nous pas faire bon choix économique? Alors vous voyez le problème? Le problème est beaucoup plus profond que ça. Vous comprenez? Le problème est beaucoup plus profond que ça. Monsieur a traité le problème en surface pour acculer les dirigeants politiques. La pauvre pose problème économique pays en surface de façon à ce que le cas acculé les responsables politiques qui, eux-mêmes, de l'autre côté, sont entourés par des économistes. Comprenez bien ça, Mabdia. Négotiment des affaires de l'État, sont entourés par des économistes, des experts, soi-disant experts, qui ont été formés dans les universités occidentales aux États-Unis, d'Amérique, en France, au Canada. C'est-à-dire, pas de rien que monsieur. Et Emile a dit qu'il nous vaut pour tout gros rat économiste nous gagnons dans le pays qui chita qu'à bail Jovenel Moïse conseil économique. Comprenez bien ça m'a dit à la mes chers amis. Pas gagné que monsieur dit qu'il nous vaut tout qui étudie économie qui économiste comprendre ça monsieur dit c'est clair. Pas gagné la donne qui nous vaut. Mais problème qui posé là c'est que même nèg qui chita qui conseiller président, ce sont des économistes chevronnés aux yeux des États-Unis, aux yeux de la France, aux yeux d'Haïti, aux yeux de tout le monde. Mais pour qui raison, malgré que ça y est aussi chevronné, malgré que ce sont des économistes aussi avancés, des experts, ils ont du mal à faire de bons choix économiques pour le pays. Même Aristide, écoutez bien ce que je vais vous dire. Même sous Aristide, qui était un président que est considéré comme le président le plus progressiste après petite la que Haïti vient connait par rapport avec l'idéologie de gauche d'Aponia. Aristide était entouré par des hommes et par des économistes chevronnés. Et même économistes, ça c'est demandé Aristide pour faire des choix économiques. Des choix économiques qui contraire avec l'économie d'Haïti, c'est-à-dire à notre réalité économique en matière de libre-échange en dedans pays d'Haïti. Est-ce que nous comprenons ça, m'a soulevé à là? Et c'est le problème, non? C'est un problème majeur qui posait. Maintenant, vrai problème, non? C'est mon problème de choix économique. C'est mon problème de choix économique, mes chers amis. Le problème est beaucoup plus profond. C'est un problème métaphysique et mystique. Pour les gars font bon choix économique, il faut le remer prochain. Il faut le remer haïtien. Si nèg la pa renmen haïtien, tande bien ça m'a dit là. Si nèg la pa renmen haïtien, li au timon des affaires de l'État. Li pa gen principe christique là qui pour guider. Qui sont pensé doit faire? Vous pensez pas faire des choix qui pour aller dans le sens de l'intérêt de l'Haïtien. M'a dit dans le sens de l'intérêt d'Haïti. De toute façon, l'autre problème. Parce que c'est un problème phénoménologique lié. Faut résoudre problème ontologique d'abord pour appréhender problème et phénoménologique là. Ça me dit
C'est une raison qui fait journée aujourd'hui, tout nèg yo a va, y a nager sous de l'eau, y a nager sous la mer, y a nager sous la mer, mais yo pas jamais ka descendre dans fond la mer. Et c'est un problème et c'est ça m'a essayé inviter nous pour nous pas faire dans BBJ 109. Et c'est ça que me doulon nèg qui est dans BBJ 109 lié. Il ka camper face à n'importe monde qui dit yo c'est intellectuel. Et ce somme doulon la m'bo garanti de ça m'doula. N'importe monde ou ka camper face. Ou ka questionner n'importe monde qui vient devant. Ou ka questionner n'importe pensée qui vient devant. Parce que les principes qui pour guider, il y a deux paramètres. Il y a plus. M'espère nous, banou des paramètres pour appréhender phénomène. Yo. Yo phénomène, il y a deux dimensions qu'à aborder ou qu'à comprendre le phénomène. Dimension spirituelle, dimension matérielle. Yo phénomène, c'est ça que fait ouvrir phénomène. Maintenant, il faut comprendre que là, on parle de réalité. C'est pas seulement les choses physiques du monde sensible qui sont réelles. C'est une vision réductrice. C'est une vision matérialiste. C'est une vision moniste de la réalité. Maintenant, si on dit que la réalité, c'est seulement matière là. Comprenez bien, oui. Vous présentez un phénomène. Bah, par exemple, je vais prendre un exemple clair avec nous. Il y a parlé de. Il présente un phénomène de pauvreté. Ok? Il y a tout pour analyser le phénomène ça en tant qu'intellectuel. Et Ray. Et. Pas de bagay. Et m'a dit ça en tant qu'on frère. Le bon individu, tant qu'on élément ça, ouais, là, il est Vilmer Joseph là. M'a voulu entrer dans tac ou tac avec. Il n'est pas productif pour ça n'a fait là. Pour travailler ça n'a fait là. Et c'est une raison qui fait m'dou son travail sélectif à faire. Faites très attention. Faites très attention et m'gain raison pour m'dou ça. J'ai mes raisons. Parce que faites très attention. Parce que dans le niveau que nous avons opéré là, dans le niveau que nous avons opéré là, pas quitter nègre à l'eau descendre. Ma parler sur le plan de l'esprit. Métaphysique. Et christique. Faites attention. C'est route pour décider pour descendre l'échelle là. Comprenez bien ça me dire. Mbadou pas répondre moun. Mbadou pas répondre. Mdou gon l'échelle nan mou. C'est route pour décider descendre ni. C'est route pour décider monter. Te merci que ça me le dit là. Ou gen doit même pas être dans live moi là. Yo moun commencé jouer en bas live là. Et puis me décider de descendre l'échelle là. Ça veut dire l'échelle moi non même, l'échelle moi pas moi décider de descendre. Ça veut dire me tomber 10 moun dans caca. Comprendre bien ça moi doulan là. Et m'a parlé pour tout monde qui dans groupe BBJ là. Ou mettre l'échelle là, ça veut dire ou master émotion. Ou qu'on maîtrise de tête et ou décider qui l'a monter, qui l'a descendre. Ça veut dire que je dois m'arrêter là. Je fais un live. Il y a un monde qui vient en bas live là.
Je fais ma carte et puis je choisis descendre. Je choisis descendre. Je choisis dire caca. Et quand ça fait rien, je choisis. J'ai utilisé le mot choisi. Je choisis dire caca. Et là, je dis caca, je mets chou, je dis caca. Ce n'est pas un caca en surface, je dis le bon caca. Caca qui est caca qui est caca, notre culture haïtienne. De notre réalité haïtienne. Dans sa nouvelle caca en Haïti. Comprenez mieux ça, Mabdou, là. Elle a choisi de descendre l'échelle là. Mais ce qui est important, c'est un choix. C'est un choix que lié. Et c'est ça que nous fait. Nous voulons toujours, même nous descendre pour talon pour caca, mettre chou seulement que son choix lié. Depuis son choix lié, il n'y a pas de problème à vous. Comprenez ce que Mabdou, là. Pas de personne qui a ou un niveau nous y est là, pas de monde qui a entré dans le sentiment. Ou qu'a dit monde qui a soufflé. Ça n'a pas besoin de sentiment. Ou son monde. C'est ça que je dis nous là. Ou formé, ou bon niveau pour ça. Ou répondre. C'est un choix qu'on fait pour répondre. Faites attention. Et c'est là que je voulais nous arriver. Je voulais nous arriver dans le niveau que leur répondre au monde, c'est un choix. Et c'est une méthodologie que nous besoin comprendre. Et là descend dans le niveau moun nan, faut mettre chou que ou gen bon bêtise dans mon boudi. Tandem bien ça m'a dit à la bien pour comprendre ça me dit là. Non, beaucoup après aller à formation là, m'a mis précision. Ou là descend dans le niveau moun nan. Faut mettre chou qu'on maîtrise bon caca pour dire. Ou est-ce que vous n'avez pas de caca pour dire? Pas descendre. Pas descendre parce que pas jamais bataille à moitié. Comprenez bien ça, mal de là. Pas jamais monter sur un terrain que vous n'avez pas de chou que vous avez gagné terrain. Vous avez gagné bataille là. Ou est-ce que vous descendre pour dire au monde caca? Ou est-ce que vous pensez de sa société abdi? Ou est-ce que vous pensez de sa moun abdi? Ou est-ce que vous pensez de sa retel pour dire de où? Ou est-ce que vous pensez de sa X ou Y pour dire de où? Pas descendre. Parce qu'on est en limité tête ou dans le caca. Ou est-ce que vous décidez de descendre, et femme dit décider, parce que c'est un choix. Si vous décidez de descendre l'échelle là pour aller dire caca, mec, chou descend plus dans le caca. De façon pour moun pour moun nan saisi ou nan qui est ou ka dire caca. Parce que si ou descend ou pas créer ce qu'on appelle l'étonnement dans dit moun nan caca. Comprenez bien ça, m'dou là. Si vous pas créé de l'étonnement, ça ou est l'étonnement philosophique. Parce que les moun nan vin du caca, il y a deux bagages qui poussent moun nan du caca. Un, ils pensent que c'est provoquer le provoquer. Ils pensent que c'est jouer le vin jouer dans ma ou, c'est provoquer le provoquer. Comprenez bien. Même les wap di moun nan caca, wap font travail philosophique la kali. Tandem bien ça, m'dou là. Et m'vlo prêter un pile attention à ça, m'dou là. Le wap descend nan niveau moun nan. Parce qu'on peut faire un travail, on relève un travail maïotique. La caïmouna. Maintenant, pour arriver à faire un travail maïotique, ça la caïmouna. Pour créer l'étonnement, ça la caïmouna. Faut mettre chou qu'on est plus caca dans ce monde. Parce que si, on descend pour dire mon caca, sans surface, on dit mon caca, c'est que mon provoqué. Et on vient monter sur un terrain qu'on va gérer. Les pièges. Ou vin monte en dehors dans chemin ko pa gérer kon ou vin a plein après ou vin paraît l'aide mais tem dou lotion choix fait pour descendre dans l'échelle là pour di moun kaka tem dou ti bagay bien pas jamais di moun nan kaka avantie ou soit dire kaka make chou bien dire ou bon dire ou dire bon kaka lem dou dire bon kaka. Faut dire le caca pour le saisir. Ou est-ce qu'on est qui dit le con, li qu'on écrit, cap dit le caca. C'est ça où elle est l'étonnement la caille. Et puis, quand il y a l'autre, quand ça fait rien, il ne peut pas battre pour jouer un bagaille, il est reverse psychology. Il ne peut pas comprendre que c'est lui-même qui faut dire caca. T'as bien, oui.
Et lui-même qui faut dire, pendant ce temps, pas comprendre qu'on a une mobilité dans l'échelle là, ou monter leur vie, ou descendre leur vie. Pendant la notre psychologie, la faut comprendre que c'est lui-même qui faut dire caca. Tenez bien, oui. Ou pas loin, ça va le passer. Il va le proposer la bruit. Il va le proposer la oui. Am, famille, c'est perdu. Qu'on a compte à passer, qu'on a prolongé dans caca. Comprenez bien ça, moi, le dollar là. Ou prolongé dans caca. Qu'on y a ou pendant rien, c'est la sauve une pisserie dans caca. Prenez la brille. Ou vin pisserie là-dedans. Pour montrer que il va ça à la dia pour tout. Quel pas de contrôle. C'est où de contrôler l'émotion. Ou descendre dans caca. Ou make sure dit beau caca. Ou pas dire caca à moitié. Ou make sure. Parce que si vous décidez pour descendre, ou pas qu'à descendre sur un terrain pour aller bataille et puis pour bataille à moitié. Non. Ou doit descendre pour tirer l'adversaire. Faut tirer. Vous comprenez? Faut tirer, pas jamais battre à moitié. Faut bien tirer. Et là, tirer là pour mettre chou que n'importe monde qui t'a gagné intention vient courir monter sur vous pour ne pas jamais prendre chance ça encore parce que vous allez descendre, vous allez fuck up. Là, me dit tirer là pour tirer avec bon caca et pas tirer bêtises, cocorat. Si vous avez des petites bêtises, si vous avez des bêtises pour aller chercher même pour monter, vous comprenez? C'est comme si vous montez en magie, bêtises pour entrer dans lui-même. Ou est-ce que vous arrivez là? Pas descendre, échelle là. J'en ai map d'où ça? Ou est-ce que vous arrivez là? Pas descendre l'échelle là. Retenez-le. Pas occupé. Et bien, essayez map d'où là? Sans ça, ou perdre du temps? Ou perdre de l'énergie? Ou a perdu un paquet de bagages, ou a occupé moun qui pas utile ou on même. Comprenez bien ça, m'dit nous là. M'balbo pour qui raison, m'balbo une anecdote. Pabli et méthodologie m'a fait, m'balbo une anecdote. Blanc connaît bien, l'Occident connaît bien le modèle haïtien ça. Et ça fait le baron série de nègres qui pour orienter ou dans caca même. Comprenez bien ça mal doulant, oui. Ma parle à vous, frère. Ma parle à vos camarades bébé Jim. Ma parle à vous. Genet tabindo, oui, next mat pas dans dit caca, bullshit. Pour occuper pièce, nest pas vous parler caca. Tout ce caca a dit. De pour moun rive dans niveau, ou sans tout ka descend l'échelle là pour dire caca, dit le caca. Créer l'étonnement la kali. Faut créer l'étonnement la kali. Pour le Kavin dit, oh, mon cher, j'aime moi t'es intellectuel là. Comportement, oui. J'aime moi t'es intellectuel là. J'aime moi m'y parler. En pas de possibilité qu'on dit caca, non. C'est ça, ou créer l'étonnement la kali. Faut toujours créer l'étonnement la kali. Et sous pas descendre pour créer l'étonnement la kali. Pour aller loin. Pour pas piéger tête ou non formaliste. Pour pas piéger tête ou non hypocrisie. Parce qu'elle ou pas révéler mon non caractère la caillou qu'elle pas maîtriser. Ou doit descendre pi baba ce moun nan. De quoi pour créer l'étonnement la caillou. Et l'aime d'ou descendre pi baba, make sure descendre bien baba. Pour montrer monsieur qui l'ont gué échelle ou aye, qui côté l'échelle ou a arrivé. Parce que l'aime d'ou ça, nan bon créole moun d'ou comme ça, prend l'échelle ou a. Descend en bas, à l'autre, à l'aide tribune d'un monsieur, passe dans la colonne cervelle, monsieur, sorti dans la cervelle, monsieur, descend dans la colonne vertébrale, passe dans la triple, et puis descend en bas, vient sortir dans tout caca, monsieur. Là, vient sortir, pendant on fait ça, pendant on intellectuel, oui, faites attention, parce qu'il faut descendre dans la colonne, ou bien, néglage 33 vertèbres, néglage 33 vertèbres, la cali. Chaque vêtement passe casser vêtement jusqu'à ce qu'elle vit plat. Descend, commencez casser vêtement qui découle là. Descend, casser vêtement qui n'a dolio jusqu'à ce qu'on joue une pointe vêtement, dernier petit grain vêtement qui n'a fond bunda là et pour péter bunda grain vêtement ça et pour sortir dans tout bunda misé. Pendant fin sortir dans tout bunda misé, la misé pense au fini avec elle. Qu'on y a, c'est laisse on va remonter qu'on y a.
Ou retourner dans même tout monde d'amitié ou faire bonne d'amitié tourner un bagage à double sens. Ou faire qu'on y alternance à un seul sens, qu'on y fait tourner double sens, ou retourner dans bonne d'amitié. Et pour commencer remonter dans bonne d'amitié, ou passer pour un intestin, ou prend gros intestin, ou prend petit intestin, ou prend froid loi pété et pour rentrer et puis jusqu'à ce qu'on arrive dans plateau de tête li. Dans l'échelle là pour éclater ses veines. Ça c'est de l'étonnement mon frère. Ça c'est de l'étonnement. Parce que ouais moi mon petit bagarre, ouais bataille nous va mener là. Comprenez bien. Non mais juste neuf. Nous pas armés nous dans tout dans nous. Dans toute façon. La pas jeune mental. Pas oublier son révolution mentale n'a fait avant. Pas jamais maintenant maillot pour quitter nèg coinçon non connait. Faut comprendre qu'on pas ka dit bêtise ou pas ka dit caca. Oh oui, ou son nèg qui soit, ou son nèg qui éduqué, ou pas ka dit bêtise. Pour qui paye yon kap dou ça. Et vous décidez qui lève ou dit bêtise. Et vous décidez qui lève ou dit caca. C'est vous décidez qui lève l'obéi. C'est vous qui te nèg volé ça la. Parce que aucun monde volé ça la. Pas jamais fait ça. Liberté ou pas quitter mon coincé ou dit qui côté ou doit y ou doit rester on est soi ou doit être on est éduqué parce que éducation pour yo c'est pour yo ka marcher sur ou éducation pour yo c'est pour yo ka piétiner ou éducation pour yo c'est pour yo ka fin cracher sur ou et puis qu'on fin cracher sur ou et puis les ça y a pas le bon monde avait dit son travail de zombification lié fais attention bien son travail de zombification lié. Oh, ou bon moun, son nèg intellectuel ou yé, pas descendre dans niveau ça, pas parler comme ça, parce que son travail de zombification yé. Ça veut dire, c'est moun nan kap défini qui genre de comportement doit gagner. C'est moun nan kap défini qui ça bon pour ou. C'est moun nan kap dou, c'est tel comportement doit gagner qui marche pour ou. Non, pas gen moun, ou alors nan bébé J109, pas gen personne sous la terre qui pour dire ou, qui ça kap bon pour ou, qui ça pas bon pour ou, qui comportement doit gagner, qui comportement pas doit gagner. C'est vous seulement qui pouvez décider de ça. Et c'est ça qui fait nous bébé J109. Comprenez bien. C'est ça qui fait ou bébé J109. Parce que pas oublier. Tu m'expliques de façon méthodologique, ça me dit là. Nous faisons dialectique avant. Ou changez, nous parler nous de dualisme. Nous avons parlé nous de monisme. Même parler nous de synthèse. Aussi. Parce que ou est souguen aux outils dans mon ou pas ka use li depuis c'est nèg qui dicte ou comment ou doit agir c'est nèg ça te contrôle ou nèg ou est dou ou doit parler comme ça c'est nèg ça te contrôle ou nèg ou est dou sou pas parler comme ça pas bon c'est nèg ça te contrôle ou parce qu'elle émet un jugement sur la dicter comportement. Ça veut dire, si nèg la décide de dicter comportement, c'est-à-dire que ou pas de capacité pour réfléchir. Ou pas de capacité pour réfléchir. Et si ou pas de capacité pour réfléchir, nèg la crase moral ou li met tout. Li crase moral ou li met tout. Ça veut dire ou vin gon redevance. C'est li djou qui l'est pour fâcher. C'est li djou qui l'est pour pas fâcher. C'est le qui dit, c'est le cap du gros ça ou le provoque ou, ça veut dire que la prend contrôle ou non, blodé. Zamim, pour comprendre. Bataille là, partisan. Bataille là, c'est ça que fait. Ou même qu'a parlé de révolution, ou qu'on est gonlé pour parler de, pour faire dialectique de la parole. Mais qu'on l'est tout, pas de temps pour débat. Pas de temps pour débat. Des coups de zame qui a contré. Le jour d'affaire, pour confondre les coups de zame à tirer, avec les discours, ou a perdu vie. C'est une question de vie et mort lié. Et m'a dit nous ça sincèrement. C'est une question de vie et de mort lié. Ou est-ce que pas tuer le mental? Ou est-ce que pas tuer l'esprit? Ou est-ce que pas préparer l'esprit? Faut faire face avec mes créances à yo. Pour faire face avec individu ça yo y a manipulé l'esprit ou y a usou y a décidé qui comportement doit gagner y a décidé qui l'ordre doit parler y a décidé qui sort doit dire
Il y a décidé dans façon doit dire ou comme ça fois il y a décidé qui ça doit dire, il y a décidé dans façon doit dire, il y a dit mais comment doit dire, il y a décidé qui l'on doit dire. Et puis automatiquement ou vient tourner en zombie ou aliéné et là dit ou vendre volonté ou c'est ça que m'a insisté d'aller à ce choix. Lorsqu'on l'échelle dans mon le sous tête échelle là et ou décider si ou descendre ou pas. Et là dit, vous voyez jouer en bas ou caca fait en bas. Pendant sous tête l'échelle là au sommet ou vous voyez jouer en bas ou regarder caca qu'a fait en bas. Ou qui doit décider de descendre parce que gain des caca ou qu'a fait ou obligé de descendre. Et c'est ça expliquer en série de passages dans la Bible. Il dit ne réponds pas à l'insensé selon sa folie de peur que tu ne le ressembles toi-même. Ça c'est sommaire. Après ça le dit réponds à l'insensé selon sa folie afin qu'il ne se prenne pas pour un sage. Il y a des fois faut répondre mon nan niveau qui plus bas facile. Pour pas penser le ton affaire. Faut retirer le maïli. Besoin arriver dans point pour échelle pour là ou monter ou descendre les lido dur. Ou monter ou descendre les lido dur et là monter l'échelle ou puis go paix ça mon bra dit parce que le thème de bagaille vous êtes une valeur et pas moun qui bon valeur. Ou son valeur inhérent à vous-même. Vous êtes une valeur. Tout le monde qui n'est BBJ sont valeurs liées. Vous êtes une valeur. Pas de monde aux alentours. Et c'est ça n'a pas de monde qui peut le valoriser. Personne. Moun n'est plus prêt pour le craser, pour le dénigrer, pour le destroyer, pour le craser moral, pour le marcher sous, pour le dominer. Au lieu de reconnaître valeur. Apprendre comme ça. Ça, son, ça c'est prémisse en bas là. Il est prêt pour le cracher sous. Et c'est ça t'explique la société haïtienne dans côté là. Pas de valeur. C'est ça t'explique là où un nèg kankou barbecue a fait la loi. Nèg kankou élément ça a fait la loi. Il ska fait la loi. Si tu es un haïtien, c'est ça le fait. Et quoi me souvle? Lorsqu'on bébé j'y son neuf, ou son nèg qui prépare pour toute bagaille. Nèg la vini avec discours en tant qu'intellectuel ou bon pour lui. Nèg la vini nan di bêtise ou descend pantalon ou montre longue kok ki nan bon dor. Zami le m'ap dou sa m'ap dou li bien. Ou montre longue zozo gen nan bon dor. Et lem dou sa pa gen kaka la dan. Parce que ou sou lâche. Ou sou lâche. Ou si c'est moun lâche kap vin la, nou pa besoin même pour initiative ça n'a fait là. Nous mettons campé sous lui. Et vous lâche. Vous pas besoin même prendre initiative. Ça qu'a fait là. Parce que c'est série de senti-cri qui pourrait venir camper en face. Vous ne pas comprendre rien. La dialectique de la parole. Il faut parler langage pour vous comprendre. Et sous son nez qui zizi, vous tombez dans le zizitis. Vous tombez dans le zizitis. Vous tombez dans le sousouis. Vous tombez dans le formalisme. Ou tombe dans sa roule le conformisme social. Ou pas ka changer société sou getan conformé socialement. Ou pas capable. Pas occupé pesti tête petit tête senti cri. Kap dou sa. Kap vin lance a wo. Ni ne kap vin propose yo se ou gang yo se maçon. Let those bullshit people go fuck themselves. Et c'est mwen dou sa piti. Ou sa map dou la la. Pi go force secret mystique la la piti. Et mwen kap ba ou la. Qui peut peste pété senti cri ni prêtre ni pasteur ni ce qu'a fait caca toutes ces dominations qu'a fait sous l'esprit ou toutes ces aliénés yo des aliénés toutes ces peurs yo des faux peurs men parce que ou quand ça fait on est plus ou son danger et les nèg la garder le pas peur ou quand ça fait un pasteur peur et les le pas peur ou quand ça fait un prêtre l'église peur et pas et les le pas peur ou quand ça fait un grand peur c'est les le pas peur. Ou quand ça fait yon maçon père, c'est le rôle papel. Depuis là, pas les caca, maintenant, maïou son individu qui a mouru. Même si on a mouru, chien a mouru tout. Donc, il va fuck about those people. Pas qui te fies net pour domination sur l'esprit. Ou son monde qui créé unique. Maman prend ou papa pour yon conceive ou en dedans votre maman ou fait 9 mois à conceive. Hein? Ou fait 9 mois à conceive. Et puis, yo pon yo metode yo, don't let no fucking body, whoever the fuck he is, dicte vie ou, whoever the fuck it is, vin prendre domination sur l'esprit ou,
quel que soit moun. Ou est-ce qu'on vini, avec son te vini, qu'on s'apprendre. Qu'on s'apprendre. Toujours mettre ça dans maille. Don't let no fucking body, whoever the fuck he is, dictate your life. Le jour qui ton monde dictate vie ou, you done, ou suspend vive, ou respirer mon pape vive. C'est ça où il est zombie. Pas qui te n'est pas propose, yo intellectuel, yo prêtre, yo ceci, yo pasteur, yo côté si, yo ceci. Toutes ces titres, toutes ces titres que société a bâillé. Toutes ces titres que société a bâillé. Pour craquer ou non. Ou même si on entre dans dynamique pour changer society. Pour accoucher une nouvelle société. Faut commencer à couper contre nos brutaux avec modèle ça. Parce que si on joue pas le bataille pour accoucher une autre société. Dans la société volant ça. Côté maçon, ougan. Tout le monde qui est maçon, ougan, prêtre, ingénieur, intellectuel, président, sénateur, député. Yo tout met tête ensemble. Ça relé l'élite sociale la bourgeoisie. Sous peine ça yo, ou pas qu'elle faire révolution, ou pas qu'elle changer pays. Et ben tout ça sincèrement. Sans gratitude. Ou pas capable. You can't. Ça veut dire c'est temps ou a perdu là. Et pour notre tête langue vacabon, c'est temps ou a perdu. C'est ça te fait. C'est ça que fait. Dis nous et pas n'importe qui qui a un bébé J9. Depuis on a Zizi, j'ai le pointi. Par les Français, j'ai le pointi, place ou pas là. Parce que niveau pour arriver, on va l'obliger à prendre moins d'examen. Parce que ou pas là, tu vas changer. Parce que n'est pas un cadeau. Système n'a guémet. Système n'a pas de tchouli. Système n'a pas de rester avec lui. Parce que, ou pensez que le système n'a pas de manger? Ou pensez que le système. Si je ne dis pas comment pour dire avec un monde en bas live Facebook, comment pour dire avec un nègre en présence? Si vous ne pas de maîtriser un petit vagabond, quand vous dites trois bêtises dans le live, comment pour faire maîtriser un vagabond qui ne parle pas à Zam de dessous? Quand on parle de courage, quand on parle de courage pour faire ça, quand on parle de conviction pour faire ça, quand on parle de conviction, n'est-ce pas que pas dit caca, ou pas dit caca les lits d'audio, ou pas dit caca les lits d'audio, Zami, on met tes chida sur un tabou, on va faire conférence, oui. Petit thème non ti bagay. Ou a te chita nan tabou a faire conférence, oui. De pou a se kap bagay bullshit, ça va intéresser. Se leve moun d'or, dit tout moun fuck you, oui. Kano kaka. Leve moun d'or, et puis dit tout moun fuck themselves. Et puis vire, frappe pot la ou vire moun d'or. Konya ou bral di, oh, ala nek balet ve, ala nek kapale, ka di bêtise, fuck themselves. De pou a pa comprendre sa abdi, de pou a pa kon valer sa abdi, di yo fuck themselves. Et puis vire moun d'or, en gros moun, période. L'ordre de pour nous qu'aider ça mon pensée depuis qu'il est au pensée comme ça l'activité de la pensée hein? L'activité de la pensée son bagage qui est accordé à tout le monde c'est tout le monde qui a qui la pensée n'est pas fait pour tout le monde mon frère depuis qu'il est aidé ça mon a pensé qui bon depuis qu'il est l'homme terrain mon comme ça pour produire une pensée positive pour depuis qu'il est l'homme terrain mon comme ça pour produire un bagage pour dou comme ça yo remet bien pour what the fuck qui te mon foulou qui te mon pas son bêtise qui te mon cacor. Depuis qu'il est haïtien, si haïtien terrain, mais haïtien pareil, les consommateurs, c'est qu'on s'appelle à ta pied. Il y a un cacao dans des blodés. Si haïtien terrain, mais haïtien pareil, vous pensez que vous avez un travail comme ça pour nous faire. Stop your bullshit, nigga. Don't let people fool you. Mostly Haitian people. Ne pas bête hypocrite comme ça. Toujours propose, yo parle français, yo zizi, yo pointi, yo formaliste, yo social bullshit. Même yon même kap boako la dra, yo gon ti poudre ba men yo. Même yon même capri avant là y a mettre poison dans faire pour yon bon poison. Même yon même pour qui paye. Listen, let me tell you something, brother. Rete sous garde dans demain. Parce que j'aime tout ça. Rete sous garde, brother.
occupé moun. Pas dit moun ou pas ka confronter sur la terre. Bon d'ailleurs mon côté pour arriver, faut mettre tête ou dans position pour niche dans vinn genou. Pas dit moun, pas occupé personne ka bindou ou pas ka parler. Ou pas ka dire un bagage, pas occupé personne. Faut prêt, faut qu'en crée coup de prêt parce que c'est battre bataille. Faut qu'en prend coup de prêt, faut qu'en bail coup de prêt. Mais toi on seul bagaille. Ou ka choisi qui côté coup de prêt en doit tomber dans corps. Ou ka choisi qui côté pour recevoir coup de prêt encore. Ou ka choisi pour un coup de prêt là, ou ka choisi pour un coup de prêt dans l'épaule, ou ka choisi pour là, ou ka choisi pour dans fond tout. Ça veut dire ou même qui va décider qui côté vital dans corps pour protéger, ou pas prendre pour coup de prêt par terre. Et ou toi décider de ça. C'est ça moi le décider. Si coup de prêt a tiré sur ou et ou ka décider qui côté pour tomber. Mais gars doit cibler fond, il doit cibler vieux et pour décider voler le pousser bon genre ou tomber et ou pour décider. C'est ça me besoin gain la cage. C'est ça l'esprit critique en tout même. Parce que l'esprit critique là, il chita sous la liberté libre penser, la liberté d'esprit, c'est ça point fondamental là, liberté d'esprit. Ça veut dire l'esprit pas aliéné, il pas soumettre avec pièce l'autre pensée monde. Ça fait avant de commencer me dou ou grand bagage qui plus noble là, faut préserver c'est votre esprit. Toujours protéger l'esprit. C'est pas qui pino bougé la carrière. Parce que c'est lui dépasser le temps et l'espace. C'est lui transcender le temps et l'espace. Corps physique l'a tombé. Mais l'esprit où? T'aimes dire un bagaille bien. Ou pas on est. L'on bata on est. Nèg la foutre une série de coups de poing tombé à terre. Des deux bagailles pour apprendre à comprendre. Nèg la foutre une série de coups de poing tombé à terre. C'est l'esprit qui va le dire, c'est soit retardataire ou bien levé. Il y a des coups de poing avec baou, c'est soit retardataire ou bien levé. Ça va dépendre de l'esprit ou de mental. Il y a des coups de poing avec baou, c'est un coup de poing mortel li baou. Pour le vidéo. Parce que lui même il connaît mes coups de poing ça c'est coup pour le final. Effectivement, je coup de poing tombé, il affecté ou senti le formal, ou senti système à focat, à focop, mais mental là. Même le pas qu'à lever à terre, you have to fight pour lever à terre. C'est mental pour le décider, est-ce qu'on prend à terre ou bien on va camper. C'est mental qui décide de ça. Et c'est ça pour l'expliquer respect à Batman. Avec nous décider de camper pour un deuxième coup de poing. Est-ce que deuxième coup de poing, plus fort passer premier, you don't give a fuck about that. L'essentiel c'est que you fucking stand one way or another. Seule façon pour être à terre et mourir pour mourir. You have to stand. Ou doit camper. Parce que tout le monde besoin à genoux. Le monde entier besoin à genoux. Système besoin à genoux. Mettre système, esprit qui est système, il besoin de mettre à genoux. Par la force ou bien en douceur. C'est seul objectif. Foutre à genoux. Plier devant. You need to stand. For stand. For rete à épaule ou carré. Et si nous monte, et pour pouvoir garder notre système yon ansye. Yon pas commencer à jouer dans le mental ou faut comprendre ou ka mouri. Pour fucking kez, qui est-ce qui ka pa mouri? Parce que moun ki pa ka mouri. Même nèg ka vin dou ka mouri en tout, même li même tout li ka mouri. Pas quitter moun pour bon mythe. Tout ça, c'est mythe. Yoy. Pas qu'on l'homme sur la tête qui pas mortel. Yo juste cacher des titres pour yon kakou. Yo juste cacher des titres pour yon jouer dans l'esprit. Yo juste cacher des titres. T'aimes d'autres si bagay. Pas occupé de kap vin propose yon kon fait magie. Kaka ka fait. Ou ka fait plus gros magie parce kaka yon. Moi dou ça. Pas qui peut moun ka bon mit de blode. Si spon prend l'esprit nous pour nous larguer by moun pour dominer nous men. C'est ça, c'est un vrai travail ça fait en dedans BBJ. Sans neuf. Enfin la pied. Parce que c'est ça fait qu'on méthodologie claire ma banou. Mais je nous make sure nous comprenons. Pour moun pas décider de où. Pour nous ma vie de oui ou pas de. Ou pas de jouer. Ou pas de ceci, ou pas de cela, ou pas de jouer. Depuis jouer à vie, ni pour jouer, ou choisir jouer, ou faut jouer. Et puis tout le monde qui va d'accord à jouer, ou dit fuck themselves.
période ou pas acheter moun qui pas d'accord à payer bilou ou moun qui pas d'accord à l'acheter c'est les football à l'école fuck themselves suspend by et ça moun penser trop importance dans la vie ou fuck themselves depuis qu'il est haïtien de foot qu'on penser pour terrain comme ça depuis qu'il est a quitté moun a zombifier nous et pour faire travail de décolonisation. C'est pas tête nous. Parce que là, parler de décolonisation, faut être pour d'abord. Parce que gonser des petits bagailles, gonser des petits ficelles, mais question colonisation mentale là, yo très simple. Yo pas paraît clair. Yo tout petit. On sait des petits vices tout petit. C'est yo prouvé, parce que c'est yo plus danger. Parce que le diable est dans les détails. C'est petit détail ça. Les cabines de mon cher, et les fort moyé, ou éduqué, pas parler. Premier moun pou di kolan, get maman, se ti kaka sa kap vindou, pa pale ya. Parce que c'est à travers le même système nan vin pale. Choute moun da kaka sa voye de côté. Get the fuck out of my life. Le rap sot nan moun da maman ou te soti pou kontou. Don't let no fucking body vin dicte vie ou. Don't let no fucking body vin dicte la vie ou. Le pral embarke tout, you fucking, you pral pou kontou. Pas de personne qui pral embarke avou ou. Don't let no fucking body nan tes a décidé dicter la vous comment on doit vivre. Qui ça va se voir vin bon? Les nèg a vin de ou pas di bêtises. Ou son intellectuel ou pense kaka ou pral voto pour si chien ou pral voto. La vin kaka ou, c'est kaka la kaka oui. La je nan mayou. Là, je n'en maille. Parce que c'est un même saloperie ça. Qu'a vindou con ça. Oh oui, c'est si. Mon cher va parler con ça. Mon cher vous éduqué. Ou c'est si c'est la même cochon ça. Elle est pas le voter, Matéli. Même senti cri ça. C'est lui qui a pris le vif Jovenel, oui. Même mal propre ça. C'est lui qui a pris le vif Massissi, oui. Avec bousé ma divine, oui. Même caca ça. C'est lui qui a pris le jeunesse à Kawash, oui. Et puis il comprend, les lois ont parlé, et puis il comprend pour lui faire moral, oui. Ti cochon a comprend pour lui faire moral, oui. Et pour avoir faire zizi avec elle, non, ou pas faire zizi à cochon, petit. Faut vous lever cochon, mais zi cochon en l'air, ou la gueule à terre, ou péter un cochon, ou faire tout caca qui dans votre cochon, sauter en dedans votre cochon, et pour ramasser caca, encore fouer dans le cochon, pour cochon manger caca. Pour faire connaître ce cochonnier. C'est ce comportement classe moyenne qui est dangereux. Il y a toujours une porte vote sur la femme. Une porte falle sur la femme. Il y a fait manger des grains de blé en Haïti. Il y a fait manger des grains de diri en Haïti. Il y a fait une classe là. Il y a fait deux trois saloperies dans la tête. L'Occident fait coloniser le brin. Et puis il y a pensé qu'il y a fait un mitan moun. Il y a dit comment on doit parler. Qui sont doit dire. Non. Pas jamais dans bébé J109 pour ne quitter personne dicter l'esprit. Yo mal éduqué, yo mal enseigné. C'est ça que y a bon doux Jésus, y a bon Jésus mouton, y a bon Jésus qui t'a accepté pour soufflet là, y a bon Jésus qui t'a accepté, yo pété monde à la bâton, y a bon Jésus, mais Jésus t'a accepté, yo pété monde à la bâton. C'est pas amour pour on l'eau, pour lui, pour on y met, pour nous, il le fait. Ouais, même monsieur dit comme ça. C'est parce que papa a au pouvoir qu'il faut faire ça. Parce qu'il t'a pété caca bunda tout le monde net. Et Wad t'a pris un caca, tout le monde t'a pris un caca. Il dit, Wad, si papa m'a pas de baou, Wad a pris pouvoir sur moi. Parce qu'il connaît le pouvoir pour te pété bunda, Wad. Ça veut dire, il faut lire la Bible en tête en bas. Pour le zombifier, pour le dominer mentalement. On les nèg la campel dit pardonner parce que ou pas contre ça fait. Parce que si kaka ça ou te contre ça ou t'a fait, ou pense Jésus pas t'a prat non seconde. Li est pour nous développer l'esprit critique nous, non au niveau. Pour ne pas quitter moun, mener nous tant que zombie, tant que brebis a mener à la boucherie.
tout Jésus, Jésus tout, Jésus tout. C'est ça que vous toujours montrer Jésus qui sont timoun. Parce que vous avez besoin de rester dans le timoun. C'est deux Jésus qui vous montrez. Jésus qui sous quoi? Avec Jésus qui nomme Maria. Jésus timoun avec Jésus crucifié. Et deux Jésus qui m'a dit pour vous. Dans la religion. Mais Jésus t'a pété moun d'avoir bon à coup de bâton. En dedans temple, il n'y a pas besoin de Jésus. Il n'y a pas besoin de modèle Jésus. Ça, c'est un modèle Jésus violent. Ça, c'est un modèle Jésus qui va dans caca. Ça, c'est un modèle Jésus qui a joué volant. Ça, c'est un modèle Jésus qui a pété moun d'assain. Vacabon avec coup de bâton. Il n'y a pas besoin de modèle Jésus. Ou j'aime montrer Jésus qui est bon fouet. Est-ce que j'aime mon statut dans l'église? On Jésus qui est un fucking fouet. Et puis la pété moun d'avacabon à bras. Non, il n'y a pas besoin de Jésus. Parce que Jésus, ça, c'est un Jésus révolté. Jésus, ça, c'est un Jésus fâché. Jésus, ça, c'est un Jésus qui neve. Jésus, ça, c'est un Jésus qui pété moun d'avacabon. C'est un Jésus qui campe pour le défendre. Non, mais il y a bordé l'autre Jésus. Jésus qui fait tant que petit bébé. Et non, mais Marie. Avec Jésus qui est crucifié pour tes victoires. Il est crucifié sur quoi? Parce qu'il y a besoin de Jésus. Et de Jésus, il y a remis pour. Pourtant, quand tu bébé, pour Abdou, lèf, lèf, right, right, gauche, gauche, je vais vous grand monde pour décider peut-être pas. C'est Jésus, ça a eu rien, mais Jésus, tu bébé, ya. Oui, le doux Jésus, le petit Jésus, le Jésus doux, le Jésus sage, le Jésus ceci, le Jésus cela. Après ça, vous bon, Jésus crucifié, Jésus à la croix, Jésus au plein à souffler, Jésus au pété, bon côté, Jésus au craché dans la figue, Jésus au humilié, là. C'est de Jésus, ça a eu avant nous. Mais Jésus, tu es compétent, dis-moi, de fois, qu'il y a eu race de vie, ya. Jésus t'es compétent dit voilà fuck you hypocrite bonne hypocrite bonne chien race de vipère là. Yo pas remet Jésus ça non parce que Jésus ça salambe moun da yo. Yo pas vend nous Jésus ça. Yo pas vend nous Jésus ça. La bonne chose Jésus qui zombifie là. Jésus qui aurait mes modèles Jésus qui pour faut marcher tête à tête tête baissée tant que zombie et il aurait mes. Mais Jésus qui a foutre nèg vacabon coup de bâton yo pas remet Jésus ça. Jésus ça c'est bon Jésus qui trop social non. Jésus ça a rien les patrons sociaux nous pas vendre ni. Jésus ça a pas trop doux non parce que si n'a dit doux Jésus. Jésus t'a pété mou d'avacabon en dedans pas doux non. Si n'a dit doux Jésus. Jésus qu'a dit nèg race de vipère al pas doux non. Réponse Jésus te sous point joli. Yo pas remet modèle Jésus ça. Yo pas remet Jésus belligérant. Yo pas remet Jésus belligérant. Yo pas remet Jésus qui a pété, qui a joué. Yo pas remet Jésus qui a dit, race de vipère, hypocrite, tombeau blanchi. Jésus qui a critiqué. Parce que Jésus, c'est donc Jésus qui a critiqué la société, la Bible. Il te dit, l'on est ça, ou vine avec vêtements, ça, puis gagne occupé. Ce sont des loups qui mettent habits de brebis. Il t'a parlé de nègres religieux. Il t'a parlé de nègres qui ont titre, qui ont vu avec titre. C'est Jésus qui t'a prouvé pour ne pas prendre un bloc fait ça. Yo pas remet Jésus ça. Yo pas remet Jésus. Ou travail mental là, yo font travail dans maille. De quoi pour yo ka piétino. Là ou ti chien paraît. La vin dou comme on doit parler, la vin dou oh oui mon cher son nèg sérieux. De quoi the fuck ou konn de sérieux? Sa konn de sérieux de moi. You don't fucking know me. Pa vin di son nèg sérieux, flatteur. Oh son intellectuel. Sa de fuck konn de intellectuel. Pa vin di mo son intellectuel, son nèg mwen men lo parler. Ado ki vo fuck ou remet l'aime parler. Pendant on propose ou remet l'aime parler ou même encore remet al bouizin non l'autre live. Ou même encore a vinn dou remet l'aime parler ou même encore qu'on a fucking en bas live côté mon a gouyer pour enjoy. Get the fuck out of my life, hypocrite to face. Min kaka moun, vinn bluffer moun. Nou pa real, nou pa vrai, nou pa remet vérité. Nous là seulement pour mater moun, bluffer moun, penser. Les gens là toujours dit oh, m'va passer sous lui, m'va faire un coup sous lui, m'va passer sous cou, oh m'va faire un coup, m'va faire un coup mesdames, toujours penser nous mesdames, parce que tout le monde. Ni penser nous mesdames, parce que tout le monde. D'affaire on prend nous yo dominer nous comme ça. C'est ça que ouais nous dans état ça. Yo connaît ou ka révolter. Et puis, il y a dominé moral. Il y a dominé l'esprit. Vous voulez rester dans le niveau aliéné. Vous voulez rester dans le niveau pour vous jouer à gauche, à droite, à droite. C'est si c'est là. Et puis, vous finit pour vous bourrer n'importe quoi dans le diol pour vous aller. Vous bourrez n'importe quoi dans le diol pour vous aller. Mais ouais, quand vous avez dit un bagage sérieux, vous retirez le corps. Parce que vous n'avez pas besoin de bagage sérieux. Parce que l'on ou pas de bagage sérieux, l'on a dit bagage sérieux, vous sentez safe. Vous à l'aise. Vous pas vraiment mal. Vous pas vraiment intéressé à vous-même. Parce que vous avez besoin de safety.
Il y a besoin de sécurité. Les gars de l'Ouest, qui formoyé, qui éduqué, qui intellectuel, si c'est la jeune vloye, système de remède safety. Il n'y a besoin de monde qui peut menacer. Les remèdes, ils sont intellectuels, qui parlent, ils sont dociles, ils sont doux, parce qu'on ne peut pas le révolter. La fois, tout le cas qu'il y a, on ne peut pas le révolter. Parce que les remèdes doux, les remèdes pour sage, les remèdes pour docile, donc pour un bête, pour l'apprivoiser, pour le dresser, pour le socialiser. Les remèdes, ça à la carrière. Parce que c'est comme ça pour le domino, c'est comme ça pour le contrôler, c'est comme ça pour le dicter, c'est comme ça pour le commander. Le doux. Comprenez? Le docile, donc un animal, il doit coucher au coucher, il doit camper au camper, il doit ramper au ramper, il doit râler sous dos râler, il doit ben over, ou docile, c'est ça que vous avez le mot docile là, oui? Docile ou docile. Avec vous accepter tout caca, ou accepter toute saloperie, avec vous perdre du caractère, ou perdre du personnalité, ou perdre du dignité, ou pas mon encore, ou pas défendre tête. Qu'est-ce que ça te met des pays à la haie? Et ça te mette le pays là. Degré hypocrisie de tenir dans le pays là. Qui mette là? Et c'est hypocrisie ça qui fait nous tout le monde là. Nous avons maté avec PHTK. C'est hypocrisie classe élite intellectuelle là qui fait nous ça là. Yo hypocrite trop. Classe intellectuelle haïtienne là. Yo trop hypocrite. Yo hypocrite en pile. Yo toujours changer pays. Yo toujours besoin de changer pays. Pendant ce temps, il cache des titres, il cache des ceci, il cache des cela. Quand il y a estomaqué. Il y a estomaqué. Il y a estomaqué. Parce qu'il faut bien deux caractéristiques ça au lacao. Nous disons ça déjà. C'est deux forces qui gouvernent le monde. Le spirituel et le matériel. Milieu, c'est la conscience. C'est, là, c'est ça, oui, les forces christiques là. C'est l'échelle. Les forces christiques là, c'est l'échelle. C'est lui-même qui a fait passer du spirituel au matériel. Et même je la crois. De là, il y en a à droite, il y en a à gauche. Il y en a matériel, il y en a spirituel. Il y en a visé vers le haut, l'autre a visé vers le bas. Et Jésus, c'est lui-même qui n'a mis tant, qui n'a mis tant, qui c'est Christ là. Ça veut dire c'est le chemin. Il a monté avant, il a descendu avant. Il a descendu, il a monté. Ça veut dire, souvent, il y a l'échelle là pour monter sous des sommes, ça fait de gâteau. Ça fait de gâteau. Ça veut dire, ouais, moi-même, dans BBJ, moi, dis nous ça déjà. BBJ 109. Je plus qu'est pour l'esprit. Je plus qu'est pour ce qu'on apprendre. Je plus qu'est pour l'esprit critique. Nous pas quoi dans quantité, nous quoi dans qualité, je dis nous ça déjà. Toujours prenons exemple trois jeunes hébreux avec nous. Le père Israël en captivité à Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fait un statut. Il dit pour tout le monde mettre à genoux des jeunes. Parce que le statut représente le maître du système, l'idolâtrie. Le roi, c'est la puissance étatique. Il est incarné dans le roi Nebuchadnezzar. Il dit pour tout le monde mettre à genoux. Tout le monde net sur la terre mettre à genoux. Devant système là, devant l'esprit système là, devant maître système là. Eh bien, dernier crasse, peuple Israël là, te met à genoux. Excepté trois nègres, trois jeunes garçons. Excepté trois jeunes garçons qui campent debout. Et vous avez choisi, préféré, vous mourir, te remet à genoux devant système là. Shadrach, Meshach, Abednego. Vous avez une conviction. Malgré. Mettre système nous te dit, mais si vous ne mettez pas à genoux devant, mais ça crée vous. Lamor Street, Diffé, Founèze. Vous ne pouvez pas le bouler. Mais vous dites bullshit. Mais vous dites bullshit. Genoux vous plié devant celle, nec qui crée sur la terre, nec qui en l'air. Genoux vous pas plié devant vacabon sur la terre. Genoux vous pas plié devant les hommes. Vous mettez tout pouvoir qui est sur la terre. Vous mettez toute fournaise qui est sur la terre. Je ne vais pas plier. A vous remarquez que tout respect là, mais à genoux. Elle a dit pas, je ne vais pas croire dans la quantité, senti cri. Je ne vais pas croire dans la quantité.
Pas quoi dans caca comme ça, quantité. Alors, tu es quantité. Quality. Quality, moi, des caractères. Quality, moi, des personnalités. Quality, moi, des dignités. Quality, moi, des convictions. Parce que c'est bagaille ça yo qui vous font être campé droit. Pour pas ben ni pour pas mettre à genou. Parce que ouais, nous chargeons des sous-hommes. Même Diogène. Même Diogène, oui. Yon sage dans l'antiquité grecque, un philosophe. En plein midi, il y a une lampe dans la main. Les yon croisé le monde de Diogène, ça cherche là. Il dit je cherche un homme avec une lampe en plein midi. C'est une métaphore, c'est une figure pour dire tout le monde qui est aux alentours de la société, hypocrite, pas de monde vrai. Il va la jeune homme. Et ça, il rapporte que Alexandre le Grand était de retour de son conquête. Et puis il croise Diogène. Hein? Et puis là, le croisé, monsieur, Diogène était tout uni. Hein? Parce que Diogène était libéré tête de toutes les conventions sociales. De toutes les conventions sociales. Libéré tête de toutes contraintes sociales. Société a été considérée comme fou. Yves, même Socrate, il était considéré Socrate comme fou. Pendant ce temps, monsieur était pour une position pour la justice. Le gros peuple. Il était accusé Socrate. L'élite de Athènes, athénienne, était accusé Socrate. Que Socrate a corrompu l'esprit de la jeunesse. Alors que monsieur, t'as apprenu ce qu'on appelle la méthode maïotique. Elle a dit cette capacité à pouvoir accoucher les esprits. Et bien, qui s'est au le condamné, monsieur. Tribunal populaire condamné, monsieur. Il a décidé de sort, monsieur. Et yon zami vini dit monsieur pour le sauver dans la prison. Parce que yon moun qui te remè monsieur. Yon dit monsieur non, sauti non, on sauve mon cher. Socrate ou pas karete bagay sa ou. Et puis monsieur dit non. M'pap sauve. Puisque c'est la cité qui a décidé de la justice. Si c'est justice ça, la baye qui te yo. Avait dit, par sa mort, monsieur choisit la mort. Ou on courage. Hein? Ou on courage. C'est ce qu'on appelle le stoïcisme. Ou on courage stoïque. Hein? Ou on courage. On se choisit la mort pour montrer que c'est la justice. Et puis le condamner. Parce que le connaît le droit. Le connaît, il choisit la bonne part. Il préfère mourir tant que le sauver. Parce que s'il sauvait, la baille aux raisons. S'il courit, la baille aux raisons. Dans leur ignorance, il a préféré de mourir pour la justice. Il y a deux justices là. Il y a la justice de la cité et puis il y a la justice morale. Il a choisi la justice morale parce que avec conscience, il connaît le fond bagaille qui bien. Mais la justice de la cité, c'est une justice corrompue. C'est une justice corrompue. Et même justice ça abat pour le faire quitter justice morale là pour le courir. Il dit non. Il y a des gens qui pensent que c'est un bas justice corrompue à mourir. Non. Socrate, c'est ça faut pas. L'homme a fond en philosophie. Ou a voué caca. Et après, peut-être qu'on est capable de dire la justice et athénienne, non, c'est l'icra tuer Socrate. Non, la justice athénienne pas tuer Socrate. C'est l'imbécilité qui peut dire un bagage comme ça. C'est un niveau de réflexion, qui bat qui dit ça. Non. La justice. Socrate mourit le moment qu'il choisit de retenir en prison. Socrate est mort pour la justice morale. La justice en tant que principe, valeur morale. Et pour ça, Socrate mourit. Socrate va mourir pour la justice. Justice de. Il connaît yon toi. Il connaît justice à bail là-bas. Il choisit mourir. Depuis qu'il décide pour le sauver. Il choisit mourir. Mais il choisit mourir. Il choisit quitter la justice morale là tuer. Tant pour la. Et puis accepter. La mort.
Non, ça depuis les Almouri. Pendant ce temps, le gros peuple, on la quantité, les petits messieurs, les messieurs, ils condamnent les messieurs pour le bouger, et Siguya, ils pensaient que ils portaient la victoire, ils pensaient que justice non, portaient la. Non, c'est l'injustice. Et pas la justice. Nous avons nos sens ont été dépravés en Haïti. C'est problème ça nous gagne là. Ça nous dépravé. Nous relais bien mal. Nous relais mal bien. Nous confus. Nous tellement arrivés dans un niveau de confusion totale. C'est ça qui fait à nous kawash. Si nous n'avons pas tout bobot li, li mette dehors et pour un vagabond à vider de l'eau dans bobot li. Et puis la gouille dans figimoun. Et puis toute jeunesse la campé à battre bravo. Et puis bagage ça marche sur tous les réseaux sociaux. Côte palan, côte éducation, côte l'école là. Et puis qu'on a vu quitter. Pour nous chita là pour venir quitter. C'est sale ça yo. Venir à venir faut descendre blodeur. Soit descendre, faut descendre dans le niveau saleté, malpropreté, caca ça yo. Et le monde, faut qu'on l'échelle christique là pour descendre là. Mais où est là? Je ne suis pas d'accord. Mais après, vous venez là, vous venez japper. Vous venez proposer qu'on nous bagaille. Vous venez vers gauche. Vous pensez vous maîtriser quelque chose. Moi, je connais là ici. Je connais bien. Vous toujours proposé de maîtriser un bagaille. Vous ne pouvez pas chier. Qu'on coince et puis vous êtes tombé. Qu'on montre et expose. Vous êtes en dehors. Vous proposez et puis connaissez. Ah non, je connais déjà où fonctionner. Vous courez, vous venez monter sur le à cheval. Vous venez blaguer. Vous venez blaguer. Vous n'avez aucune maîtrise. Vous n'avez aucune méthodologie. Vous n'avez aucune méthode. Vous avez deux. Vous pourrez servir avec des petits crasses connaissances, caca, senti que vous mettez dans la tête. Et puis vous venez comprendre, vous venez entrer dans le débat. Pour commencer à ouvrir mon dos sur vous, ou montrer la faiblesse, ou craser moral, ou craser mental, li, et puis vous avez dit comme ça, vous proposez grand connaisseur, vous proposez grand connaisseur, vous avez toujours pensé que c'est lui qui connaît. Fuck you, nego. De vous avez l'école pour vous. Fuck you again. Vous voyez caca, vous voyez blague, vous voyez, fermez diolou. Fermez diolou. Puis vous pouvez fermer diolou, imbécile, non? Il faut qu'il se taise, et ceci à jamais. On fait un tchollio. Et puis, on vient de l'intimido. Oh oui, mais c'est toujours pas celui qui connaissait, celui qui connaissait. Fuck you. Ou pas qu'on va aller à l'école, pas qu'on les boundor souvent l'école pour t'apprendre. C'est kawash ou t'as fait. C'est gris ou t'as gris boundor à bobo tout. Non, non, tout ceci, c'est là. Quand mon intellectuel a vu parler, a vu nous faire down, on fait un tchollio qu'on a vu proposer là, il sait. Fuck you. Et vous comprenez qu'on a vu faire mon paix. Il a fait l'homme intellectuel. Ou de fois toujours mystique, toute la faute boundor. Même plim sous corps supposé mystique. Pour ti kaka senti kri sa ou, pas penser ou ka vin monte sou. Parce que ou pas ka gen dimension matériel la et puis dimension mystique la pour pas gen. Ou fou, kako a fait. Kako a fait. Kako a fait. Parce que ti senti kri sa ou, en dedans pays d'Haïti et comme ça ou. Yo pas remè valeur, yo pas respecte valeur, yo pas respecte rien, yo marche sous ça qui bon, yo marche sous valeur, yo piétine valeur, yo crasé, yo craché sous ou ça ou pas contre, yo rend nous côté aussi, si a craché sous. Et puis ouvert mon gars sous. Mais quand montre yo, c'est imbécile yo. Quand montre yo, c'est caca poule yo qui gagne dans tête yo. Quand montre yo, c'est tête vent yo, yo mais c'est toujours pour propos intellectuel dit. Oh, mais c'est toujours pour propos élite puis connaît. Oh, comme si pour le intimido, pour le cas intimido. Ou même n'a pas dit non mon cher, on va venir faire fausse modestie. Oui, ou fout connait parce que tu choisi coller boundou sous bon l'école, ou tu choisi apprendre pendant t'a gouiller tant pou maigouin, pendant t'a gouiller tant pou sous son pied poule, ou même ou tu choisi chita coller boundou passer des heures à pli, ou tu ouvri, ou tu choisi les choses de l'esprit, ou tu ouvri l'esprit ou aux choses morales et spirituelles, ou pas dans chita dans gouiller même javel, ou pas dans le kawash même javel, ou pas dans le grier boundou même javel. On fout jamais de le caca. À jamais pour l'apprendre pour chemin l'école qu'on est à la base venir à you il va là vin mettre vin bon coup de poudre vin voyer expédition et puis là ça au pimistique pas cette senti cria et puis le voyer les pour même caca l'énergie le voyer vlaguer dans monde encore avec doufra ou augmenter valeur énergie dans monde pour péter cerveau lui pour le faire vélever dans bondal chez au méchant trop cal mal propre ça autant au méchant. T'as pas respecté moun. Il faut un pays arrêter dans caca salier là. Je dis à la. Ça pour yon valoriser ou pas valoriser. C'est caca challenge à valoriser.
dans figi moun. Et puis quand je n'ai l'autre monde qui connaît, et puis on vient nous faire moun dao sur moun nan. Là on voit moun a fond pour pareil, on vient nous faire moun dao sur lui. Il a promoté challenge. Et puis il a crassé valeur dans le pays. Il a promoté santicri. Et puis il a crassé valeur dans le pays. Il a promoté gang avec kawash. Et puis moun qui éduqué, moun qui formé, yo pa ka ba yo valeur. Nous avons mérité. J'ai un garçon, j'ai une femme qui choisit par le kawash, qui choisit par le prensam, qui choisit par le mot prostitution. Il est obligé de quitter le pays pour aller au Chili, pour aller au Brésil, pour aller à ces domaines. Elle prend humiliation, elle prend déception. Et puis, des trois petites têtes caca pour venir quitter petite tête pété, senti que tête vont, venir ouvrir mon dao sous. Nous allons comprendre à prendre l'IA qui écrit son bagage qui est isilé. Nous allons comprendre à prendre l'IA qui écrit pour apprendre à manipuler les symboles. Et tout le monde qui a une capacité d'abstraction. Et tout le monde qui a une capacité d'abstraction. Et tout le monde qui a conceptualisé. Et tout le monde qui a fait entrer dans le monde métaphysique. Il libère à tout le monde. Il fout bar tout le monde s'il était easy comme ça. Easy comme ça. Nous avons dit à où est-il réservé. Les élus. Les élus. Et à où est-il réservé. Les élus. Quand tu fais où est dans BBJ 109, nous ne prenons pas crabe. Les bousses crabe, get the fuck out of BBJ 109. Et à fait nous ne pas zèle, nous ne pas cachap, nous ne pas bullshit. Nous baguen pour de quoi pour pas comprendre à l'argent ou ka vin bay valer à l'argent plus que l'esprit. Bon ici a baguen caca comme ça. Nan bébé j'ai nous pas besoin goût de senti cri ou kembe gridoua dans boum d'or. Al bay lion l'autre côté pour aller ouvrir moun d'or. Là pas vin ouvrir moun d'or là dan. Là ce sont les valeurs sûres qu'il a. Les valeurs sûres. Et l'aime du sûr l'en sûr. Et moun qui maîtrise ça abdi yo qu'il a. Fucking maîtriser ça n'a dit. Nous avons monté. Nous maîtriser. Nous avons une méthodologie, nous avons une méthode et nous avons une stratégie. Nous avons monté dans BBJ 109. Nous avons fait ça. Non. Non. Et quoi nous voulons? Nous fucking mystique tout. Nous avons fait mystique. Un mystique caca senti cri, non? Nous avons Bouddha crabe. Imagine Bouddha, Bouddha poule et caca. Bullshit. Owen. Besoin ou l'on en BBJ. L'on réclame tête ou de BBJ 109 ou pas n'importe moun. Ou ka bataille sur tout plan. Ya fait le ma parler de conflit cosmique. Owen. Ou ka bataille sur le plan spirituel. Ou ka bataille sur le plan matériel. Et si les gars descendent en bas de l'eau avant tout, ou faut descendre avec en bas de l'eau tout. Ou doué armé pour tout mode de bataille. Il a fait une quitte dimension géopolitique d'Haïti. Mais mes scrims l'ont dynamique qui est plus grand. M'entrer dans la cosmogonie, m'entrer dans la cosmologie, m'entrer dans la cosmogénèse. Ah bon. Pour montrer comment deux grands courants majeurs, qui c'est le spiritualisme et le matérialisme, les ont entré ou même avec la puissance christique, la force christique cosmique. Les lan ou maîtriser deux sphères ça yo et li bon l'échelle là li bon clé ni pour mode spirituel là li bon clé ni pour mode matériel là quatre fois dans mode matériel là ou ka descendre dans le physicalisme pour descendre jusqu'en dans la physique quantique pour descendre là dans l'objet microscopique le plus petit qui t'est qu'à exister plus petite particule qui t'est qu'à exister à pouvoir prendre ni pour qui importance li gen que ce soit sous forme électromagnétique ou bien dans sa dimension ondulaire pour les ondes ça yo vini pour qu'on connaissance poussée des principes qui guidaient la physique quantique de même aussi pour maîtriser les lois de l'esprit pour qui gouverner le monde spirituel. Et c'est ça qu'on a porté, l'on a analysé. Le vaudou en tant qu'objet d'étude. Pas en tant que religion, non? Mais en tant qu'objet. Ou analyser, que ce soit dans la dimension matérielle. Ou analyser dans la dimension spirituelle et métaphysique. C'est ça, ou gagne la kaou. Pendant l'autre nègre a étudié, a analysé vaudou dans sa dimension culturelle, en tant qu'un élément de la culture haïtienne, en tant qu'un fait culturel, ou même montrer en profondeur, ou aller plus loin, ou aller bien loin, ou aller des esprits qui dans vaudou.
Walde sa caché moun bawe. Walde connaissance qui caché derrière ou doua. Et là ou allez ou même. Ou achita vous et kaka monte, fait tintin, a parler de façon superficielle, bullshit. Pas dans kaka comme ça. Pas dans bullshit ça. On ne jette pas des perles aux chiens. Nous disons ça déjà. On ne jette pas des perles aux chiens. Au niveau de Baby J109, nous ne pouvons pas jeter des perles aux chiens. C'est des petites têtes pétées. Il y a un qui a vu une proposition, il fait philosophie. Je vais garder le cap radoté dans le film. Le cap radoté. On a le bluffer menteur, il y a le bluffer menteur. Le bluffer menteur. Quand on a eu un guetta pour mal parler des partis politiques, quand on a eu un guetta pour mal parler d'institutions en Haïti, quand on a eu un guetta pour mal parler des codes pénales en Haïti, quand on a eu un guetta pour mal parler des codes pénales en Haïti, I don't have time for this nonsense. Parce que le droit haïtien, c'est une production sociale. Et en tant que production sociale, l'inscrit dans le champ qui brûlage. C'est-à-dire que le droit haïtien reflète une certaine conception de la société. Il n'y a même pas fait débat sans cri, ni à la juridique avec le monde. Parce que la philosophie du droit haïtien, il faut qu'on comprenne. Si vous ne comprenez pas, je ne peux même parler à vous, je ne peux même discuter à vous sur lui. Même parler, même discuter avec lui. Parce que si le droit haïtien, en tant que système de régulation des rapports sociaux en dedans société, doit refléter qui mode de rapport qui gagne. Dans une société capitaliste, c'est normal pour le droit régir le mode de production capitaliste et société capitaliste. Là. C'est-à-dire, il faut analyse de droit ça, ou après inscrit analyse ça dans le contexte social pour comprendre que droit ça, c'est un outil dans la meilleure élite qui est possédante. C'est un outil de la bourgeoisie en tant que telle qui reflétait valeur qu'a véhiculé dans la bourgeoisie que société capitaliste a projeté. Je vais faire discuter ça avec les gens. Avec moi, c'est perte de temps. Et perte de temps. Quand je me dis que je vais perdre avec un juriste qui a radoté, le type est limité dans le temps et dans l'espace. Son esprit est coincé dans un domaine spécifique. C'est ce qu'on appelle la spécialisation. Le spécialiser dans le domaine. L'esprit est coincé. C'est-à-dire champ de réflexion, monsieur. Capacité d'analyse, monsieur. Il n'est pas qu'à dépasser le carcan. Côté au fouillé tête, il y a quand même temps pour mal discuter avec nèg ça. Quand même temps pour lui. Et son débat mon fou m'a fait. C'est une perte de temps. Parce que nèg là tout bagali, tout réflexe li, c'est le doigt. Peut-être pas rendre compte que le droit c'est une production. C'est produit, société a produit le droit pour le réguler tête. Et c'est ça fait le droit. En tant que tel, il fait partie de science sociale. C'est normal, il fait partie de science sociale. Le droit. C'est ça fait droit en France, pas même droit à Haïti. Droit à Haïti, pas même j'avais droit aux États-Unis. Droit aux États-Unis, pas même j'avais droit à la Chine. Le droit chinois, pas même avec le droit américain. Le droit américain, pas même avec le droit cubain. Alors, le système, non, monsieur, son juriste, cadre de réflexion, monsieur, il résume seulement avec espace social. Ça. Il y a un oui, c'est constitutionnaliste, il étudie constitution pays, ou institution bullshit. I don't have time for this nonsense. Avec les gars de oui, ces constitutions pas bon. Quand on a temps pour mal discuter qui se constitution, quand on parle de nègre, on parle de Dieu, de Kelsen, on parle de Montesquieu, on parle de Hobbes, on parle de Locke, on parle de contractualistes, on parle de Machiavel. On va entrer dans philosophie politique avant, on parle de l'histoire des idées politiques, on parle de la démocratie, on parle de séparation des pouvoirs, on parle de l'état de droit, on parle de l'élection, on parle de mode de scrutin, on parle de démocratie représentative, on parle de démocratie parlementaire, il parle pas de démocratie populaire, il parle pas de souveraineté nationale, il parle pas de ce concept. C'est là mon vrai problème. Il y a
Et bien, je me rends compte que tout arsenal conceptuel, ça, je fais partie de ce qu'on appelle une société, un modèle de société qui produit. Maintenant, si je réfléchis pour une société, premier bagage pour me faire, il faut me balayer mon mode de pensée, ça. Faut me balayer catégorie mentale, ça. Si je ne balayer catégorie mentale, ça, qu'on y a mes scripts là-dedans, qui ça me balde. Il y avait le jeune économiste qu'on y a en Haïti, il a toujours parlé de libre-échange, il a toujours parlé de tarifs douaniers, il a toujours parlé de taux d'échange, il a toujours parlé de évaluation, il a toujours parlé de réévaluation, il a utilisé une série de concepts, il a parlé de chômage, il a parlé d'inflation, il a parlé de politique budgétaire, il a parlé de politique monétaire, il a parlé de World Bank Central gagné. Ça veut dire déjà cadre là. Cadre de réflexion, il est déjà limité. Il est déjà limité. Comment? Oubliez si tu es en sciences sociales. Comment? Il y a un peu de temps, il y a un politologue. Où est le politologue? La science politique, ou étudier science politique. Ou bien dit, ou étudier science politique. Ou étudier science politique. Ou étudier science là. Mais, ou pas réfléchir sur science là. Parce que réflexion sur science là, son travail épistémologique lié. Il m'a dit pour dépasser science là. Pour jeter un regard sur science là. Faut prendre recul par rapport à la science ou étudier pour garder, pour faire tourner objet d'étude. Science là, le discours sur la politique. Ou obligé de prendre recul sur lui pour porter un regard sur le discours là. Qu'on est au bal garder concept yo, au bal garder comment concept yo t'es albouré, au bal garder comment mode de production discours ça, dans quel contexte discours ça t'es produit, dans quel mode évolution conceptuelle yo, comment concept yo évolue dans le temps, hein? Et ça on va le faire, au bal faire analyse de science, au bal analyse science politique en tant que telle, et laisse on venir une connaissance supérieure, et laisse on réfléchir. Ou sorti en dehors de bobo, yo ba oua. Ou sorti en dehors, et puis qu'on y prend science comme objet d'étude. Alors que la science lui-même, pour la science, li oblige étudier un objet. Et puis ou même ou prend science là, ou fait science elle-même, tout nos objets. C'est ça, oui. Philosophe l'a fait. C'est ça, oui. Métamis et physicien fait. C'est ça, oui. L'esprit critique là, y est. Capacité pour sortir, capacité pour entrer, capacité pour intervenir, capacité pour déployer, capacité pour plier zèle, capacité pour ouvrir zèle, capacité pour aller. C'est-à-dire, n'importe environnement ou joindre, n'importe connaissance ou exposé à elle, ou gen capacité pour entrer là-dedans, pour sortir. Mais pour arriver ça, il faut gen clé, parce que chaque gen porte. Yo. Et c'est ça, papa prend nous là, papa prend nous mystique, christique là, c'est le pouvoir clé pour monter, pour descendre, et le pouvoir clé pour entrer dans n'importe univers où ils ont rentré, dans n'importe porte là, parce que de pour entrer, ou qu'à sortir, c'est ou des clés. Et ou des clés. Vous pensez que ça m'a dit là, ou pas là, prendre nous l'école? Non, pas de caca comme ça. Pas de bullshit comme ça, tu peux pas là, prendre nous. Et que va temps pour ça. Elle fait n'a mouri. Peuple a péri faute de connaissance. Nous avons une responsabilité citoyenne. Mais qui est beaucoup plus grand, plus élevé. Ou pourquoi quand même définir ça haïtien pour Abdourin mais Haïti. Ou juste comprendre Haïti en tant que 27 000 km2. Vous avez une conception limitée, réductionniste de l'Haïti. 27 000 km², 10 000 habitants, avec un populaire, avec un l'État, avec des institutions faibles qui n'ont pas régi le taux de pauvreté à toucher 80% de la population, économie délabrée, reprendre nos grands économies. C'est ça, yon baou. Là, vous avez des rapports ONU, rapports UNESCO, rapports Banque mondiale sur Haïti. C'est comme ça représente. Et puis, d'un autre côté, vous arrivez à l'étranger et puis, il y a bon discours. Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère, comme si cette pauvreté dont il est question en tant que phénomène social, m'inscrit dans le champ social. Parce que c'est une question d'abord, a priori sociale. Mais écoutez, avant même que social, il était spirituel d'abord. Parce que si au niveau mental, vous n'êtes pas riche, comment on va faire quantifier sur le plan matériel? Comment on va faire quantifier sur le plan matériel? Et l'on a des comportements de peuple, on va être pauvre sur le plan mental.
C'est-à-dire, nous avons cette mentalité pauvre qui consiste pour nous craser valeur, pour nous craser ça bon, pour nous détruire l'environnement, nous, parce que notre mentalité est pauvre. Nous ne sommes pas riches au niveau de la pensée. C'est-à-dire, toute réflexion, nous, c'est réflexion pauvre, réflexion qui limite mes ibunda, nous. Ça veut dire, nous, nous avons étudié dans la grande université, nous avons parlé, mieux mes Haïti. Il n'a pas inscrit Haïti par rapport à Saint-Domingue. Il n'a pas parlé de Ilan en général. Il n'a pas parlé de Ilan. En longtemps, président, nous avons gagné. C'était des visionnaires. Ils ont eu Haïti en tant que à travers un springs insulaire. Ils ont eu Haïti en tant qu'une île. Ils ont parlé de l'île. Et après, ils ont toujours fait la campagne de l'Est. Pour toujours envahir Saint-Domingue. Pour qu'ils contrôlent le territoire entier. Territoire entier pour qu'ils contrôlent. Mais maintenant, nous avons des hommes, des sous-hommes qui disent étudier dans grandes universités en Occident. Mais ils ne savent pas qui ça a réglé. Pendant ce temps, nos hommes, anciens dirigeants, nous avons gagné à l'époque, au 19e siècle, nous avons été jusqu'à arriver à 1856. Jusqu'à arriver à 1856. C'était des hommes qui ont gagné des visions. Parce que la menace qui était posée sur Haïti, c'est une menace imminente. Parce que tu as une nécessité historique pour te préserver la souveraineté nationale. Maman. Mais si chez nous, la cap dirige, tu voles ça, ou tu as tout diplôme, tu sais, tu là, tu étudies dans une grande université à l'étranger, à l'Occident, c'est là. Mais si Bouddha, mais si Boutne, tu connais. C'est volo à l'apprendre, volo à l'étranger. Volo. Vin kaka moun avec des bouts de français, yo as un diplôme, yo as un PhD, et puis, mais pays a un problème, yo n'a pas résoudre. Parce que ce sont des sous-hommes. Parce que le vrai problème pays, il n'y a pas qu'on aime. Il pour réserver dans l'université occidentale avec caca poule. Et puis il vient à Haïti, il vient rendre gorge dans toute radio, dans toute télévision. Il vient radoter dans Figimoun. Et puis le peuple, le gros peuple, avec un jeunesse qui exposé à toute saleté, pas comprendre. Oh, monsieur fort, oui. Oh, monsieur fort. Oh, monsieur fort. Peut-être des mots français, saloperie à parler. Oh, monsieur fort. N'est-ce pas qu'il n'y a pas réfléchir. Oh, monsieur bon, oui. Monsieur bon. Monsieur bon pile. Oh, monsieur bon. Monsieur bon. Bon, même au chita en Haïti, comment on fait contre monde qui bon? Ou pas même faire rito, ou pas même faire filo, comment on fait contre fucking contre monde qui bon? Ou pas même faire un bout de licence dans monde d'où? Qu'on y a pas parlé monde qui bon, monde qui gagne doctorat bon. Comment on fait fucking contre monde bon? Ou dépasser niveau doctorat déjà pour émettre un jugement comme ça? Hein? Pour émettre un jugement comme ça? Comment on fait contre monde? Est-ce qu'on fait assessment de connaissances nèg là? Est-ce qu'on évalue connaissances nèg là? Pour faire évaluation, faut ou même ou dépasser connaissances nèg là pour évaluer pour est-ce bon, est-ce pas bon? Sur qui base, sur qui critère ou dit nèg là bon? Parce qu'il parle français, parce qu'il parle une langue ou pas comprendre, imbécile, idiot. Il faut ouais toujours avoir une bandit l'estomac en bas live moon pour avoir une bullshit. Bon idiot. Il a fait nous payer dans l'état ça. A fait nous dans pays depuis qu'il est Aïssa j'aimerais mes valeurs. Hein? Mettons moun qui ka Haïti yo avec un moun qui pas ka Haïti yo, regardez pour qui est ça choisi. Parce que yo mal éduqué nous, yo mal formé nous. Nous plus que tendance, nous avons une tendance vers le mal. Nous avons tendance pour aller vers bagay qui sale. Nous avons tendance pour aller dans cochonnerie au lieu que nous aller propre. Nous toujours un comportement victimaire. Et toujours monde qui fait nous irresponsables. Et toujours monde qui fait nous. C'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre. Et toujours l'autre. C'est certains péchés nous que nous ramasser caractère nous à personnalité nous pour nous accoucher en l'autre société. Nous pas qu'à faire. Nous pas qu'à faire. Pendant ce temps là on a fait un travail noble et pour être c'est mécréant. Comprenez? C'est mécréant yo vini en bas là vinn radoter dans Figimoun. Une bêtise dans Figimoun. Comprenez? Une bêtise, yo tordé l'esprit ou. Il a fait yo habitué nous à humiliation. Il a fait nous aussi yo retirer humanité nous la caille nous. Yo habitué nous à humiliation, yo habitué nous à bêtise. Il a fait nous comme ça. Nous remet les moun jouer nous remet les moun manquer nous dégâts parce que c'est à ça yo habitué nous. Nous aimons ça. Je ne vais pas apprendre à apprécier les bonnes choses. La fait qu'on est qui te dit, mon cher, la voisine, m'apprécie ce affaire, oui, mais c'est temps où on a perdu avec Pepsa.
Et tant à perdre avec eux. Je dis non. Je dis monsieur, carrément. Je dis monsieur, je dis non. Comportement ça. Pas besoin. Scepticisme là, pessimiste là qui est animé ou là. Les vider, les river vers un fatalisme enragé. M'bap épouser direction ça. Je suis par nature optimiste. C'est genre d'hommes amis. Beaucoup jeune bout là. Beaucoup jeune prêtre là. Mais m'optimiste par nature. Parce que je suis un homme de foi. En même temps, tout un homme de foi, un homme de raison. J'ai bon sens, épaule me placer sous deux épaules, moi, ça m'a fait. Pendant ce temps, quand je marche vers l'inconnu, qui n'est pas encore connu, et que je dois connaître, je donne priorité à ma foi. That's it. Parce que lorsque l'inconnu s'est présenté à moi, depuis que l'inconnu est présenté à moi, je vais considérer comme une fatalité. Toujours juste penser que c'est quelque chose qui doit être connu. Les connus, c'est toujours quelque chose qui doit être connu. Maintenant, on va l'entrer dans dynamique pour me connaître le connu. Et que je dois connaître. Et j'ai bien dit, je dois connaître. Parce que je vais être obligation pour me connaître, pour me résoudre. Et lorsque le connu est déjà connu, puisque le connu est déjà connu, le connu ne m'intéresse guère. Il me reste à savoir l'inconnu qui n'est pas encore connu et que je dois connaître. Et la démarche pour me pénétrer l'inconnu, pour m'avancer sur l'inconnu, c'est par la foi que m'avancer sur l'inconnu. Parce que l'inconnu était en sphère qui est inconnue. Awan. So, comme après-midi, hein, et notre ami et camarade Ray, nous avons webinaire là, monsieur a fait, m'a commencé à 7h, l'a commencé. C'est que l'important pour monsieur sélectionner, et m'a dit monsieur ça, sélectionner, moun qui a participé là-dedans. Parce que l'extrêmement important. L'extrêmement important pour vous faire sélection ça, parce que dis-nous ça déjà, on ne jette pas des perles aux chiens. Ouais, si ça n'a fait dans BBJ 109, nous n'avons pas qu'à valoriser lui. Nous n'avons pas besoin même de continuer à faire. Parce que l'orgon bagay, c'est pour valoriser. Les affaires, c'est affaires pas liées, c'est pour valoriser. Valoriser tête. Nous. Parce que si nous n'avons pas qu'à valoriser un outil, ça nous gagne, qui c'est BBJ 109, avec activité qui gagne dans BBJ 109, comme activité pas nous pour nous approprier, comment on va faire valoriser Haïti? Comment on va faire valoriser chaque grain haïtien? On pas capable. On pas capable valoriser un, on pas capable valoriser tête. Parce que l'amour pour l'autre bagaille, il commence par soi-même. So, une fois de plus, je veux réitérer mes propos de salutation à monde que me bat saluer aujourd'hui, hein. Toujours saluer nous d'habitude, mais il semblerait que il y a des personnages que me bat saluer. Moi retourner encore une fois de plus pour me saluer nous. Et c'est bien, et t'es obligé d'entrer dans la dynamique ça pour me mettre les points sur les i. Et surtout, pour me adresser avec un ami, un frère, un camarade. Parce que son jeune homme que m'apprécie. M'apprécie, monsieur, parce que monsieur a fait un travail noble. Comprendre? Un travail noble au niveau de BBJ 109 qui s'est réveillé. Maintenant, il faut comprendre que. Dynamique ça, il a besoin d'encouragement, il a besoin de force morale surtout. Force morale. So, saluons encore une fois de plus. Pas oublier rendez-vous assez plus tard ce soir, aux environs de 7h, et puis pour conférence là. C'est un plaisir pour me dire avec nous, mon bébé J109, excusez-moi pour. Du fait que je suis vraiment centré sur le travail que j'ai fait, sur la thématique que j'ai développée. Bon, nous aurons le temps, parce que je juge le nécessaire, c'est un choix que j'ai fait pour me camper sous lui, je juge le nécessaire pour me descendre dans le niveau ça, pour me capable, bien entendu,
mettez les points sur les i pour me clarifier quelques notions de base et élémentaires pour quelques incrédules et quelques mécréants. Bon, ben c'est que nous comprendre, en gros, et c'est un plaisir, bien entendu, vous m'avez nous. Pas oublier rendez-vous à 16 cet après-midi et aux alentours de 7 heures. Et Jean lié dans là. Et puis, et n'a demandé à n'importe qui qui t'a rien mais participer, Jean Odilan, parce que c'est sélection qui a fait, nous entrer en contact avec Ray. Nous entrer en contact avec Ray, et c'est lui qui est en charge pour ça, pour être capable de faire une information appropriée, pour être participer à la conférence qui a gagné ce soir-là. Donc, passez une bonne journée, nous saluons nous toutes dans nos grands maîtres là.